Radio, la radio libre de la nuit qui s'installe au 0870 5000 et 0803 08 5000. Gérard, comme d'habitude, nous a fait son petit caca quotidien. T'as fait caca? Et pareil que t'as chié. Quelqu'un m'a dit que t'avais chié dans ta culotte, c'est vrai? Non, c'est faux. Non, regarde! Non. T'as chié, et pareil que t'as chié dans ta culotte. Ouais, bah d'accord, ok. Bon, attends. Mais non, Gérard, mais... obligé. Bah non, ce soir, non, Gérard. Non, mais attends, j'arrive pas à trouver mon siège. Alors, prends un bon siège. Mon casque. Voilà, alors voilà. Sur Fun TV, vous allez pouvoir enfin peut-être découvrir pour la première fois la tête de Gérard. Oh putain. Ça va faire plaisir surtout à tous ceux qui sont en province et qui n'ont pas la chance d'être sur Paris, siège. Donc de tout voir. Installe-toi, mon ami. Et ouais, je sais. Gérard est en train. Attends, tu vas donc laisser les sièges des plus pourris. J'arrive pas à trouver le mien et c'est pas mon casque. Olivier. Merde. Olivier, t'es là ou pas? Non, Olivier est pas là. Olivier pour... Non, mais c'est pas grave. Installe-toi. Oh, mais chien, t'inquiète. Oh, où pas. Tu vas, toi, mon agenda? Rends-moi ça, l'autre, la grosse voleuse. Ouais, comment que tu parles à ma caille? Attends, je vais récupérer. Ah voilà, ça y est. Ça y est, j'ai trouvé mon siège. Il va y avoir beaucoup d'improvisation ce soir. Ouais, bah, de toute manière, j'ai aperçu Françoise qui était déjà là-haut. Ouais. Donc, bon, alors, c'est quoi là? Alors, est-ce que vous nous faites quoi là, Fun TV? Merci pour le spot. Là, on peut faire quelque chose avec ça ou pas? Non, mais toi, t'es là-haut. Non mais moi j'en ai pas besoin, moi je vais avoir accès à cette caméra pour l'utiliser. Ouais mais tu mets un là. Oh non. Non mais là on est obligé. Non mais de toute façon tu vas avoir du monde aux côtés de toi donc tu. Ouais mais de toute manière. Non mais laisse-le, il parle. Stéphane, on voit que tu connais pas le GG, c'est facile à gérer, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Ouais. Donc ce soir, beaucoup de surprises, beaucoup de surprises. Ceux qui n'ont pas eu déjà, je le dis, je le répète, ça sera la dernière fois, ceux qui n'ont vraiment pas eu la chance d'écouter chaque jeudi dans la nuit les débats de Gérard, nous en avons sélectionné 7 ou 8, et vous aurez des résumés de ces débats. Certains durent 9 minutes, d'autres 1 minute 50, d'autres 3 minutes, vous verrez. À mon avis, ce sont des archives qui vont vous faire plaisir. La deuxième surprise, c'est que nous avons également fait un petit medley de tous tes ultimatums et, bah, c'est bien. Et je peux t'assurer Gérard qu'il y en a tu vas t'apercevoir que quand même t'es quelqu'un de très impressionnant quand t'es de l'autre côté du poste et quand tu fais peur aux gens tu leur fais peur. Oui, mais de toute manière je tiens quand même à remercier attends je termine avant que tu remercies. Non, attends, j'ai le droit, je tiens quand même merci pour Fun TV parce que je me vois là. Donc merci. Regarde donc, la caméra c'est laquelle caméra? Là c'est la 2. C'est celle-là Gérard. Non, mais non, prends le spot. Est-ce que la réa, ouais. Tu peux prendre ma caméra à moi? La mienne. Non, mais la mienne, ma caméra. On peut ou pas? Non. Ouais, bon, bah, bref. Est-ce qu'on peut prendre ma caméra, mais faire un plan sur ma caméra, que ce soit ma caméra qui filme, non ou pas? Non, il n'y a pas moyen, moi, c'est pas grave. Donc, je tiens à remercier Max. Ah oui, d'accord. Merci à mes deux, deux standardistes. Ah, ouais. À Macaï et à Florent. Ouais. Donc, malgré que je sois un peu en pétard. On va l'enlever, ça, on veut pas le voir. Ouais, d'accord. Donc, je tiens à remercier Macaï. Ouais. Macaï! Je t'écoute, merci, GG. Je tiens à te remercier pour la soirée de ce soir. Florent, malgré qu'on soit pas très bon entre nous, je tiens à te remercier beaucoup pour les chants que tu vas prendre pour qui me souhaitent un bon anniversaire. Ouais. Ah non, c'est pas pour te souhaiter un bon anniversaire, moi je te l'ai pas, Gérard. Moi j'ai déjà mes gens, c'est Luigi, Arnett, Tony et David. Il n'y a pas de débat, mais ils vont appeler pour souhaiter un bon anniversaire, mais je passe que ceux-là, moi, Gérard. Il n'y a pas de débat. Oui, il n'y a pas de débat, mais ils vont parler quand même et je te passe que ceux-là. Je te signale. Filmé là, ouais voilà. Je vois pas le rapport. Gérard a un petit peu picolé ce soir. Ah ouais. Ouais ben bon. De manière, j'espère que ça va se calmer rapidement. D'accord. Donc. Est-ce que je peux terminer ma phrase que j'avais démarré tout à l'heure, Gérard? Ben si tu veux. Non mais c'est bien parce que tu me filmes. Donc j'aime pas. Ah la gueule sur Fun TV. Ouais, ma gueule sur Fun TV. Attends parce qu'encore il n'y a pas eu Françoise les enfants. Vous avez pas vu Alain et tout ça. Bon, non mais Françoise elle est en haut. Elle va arriver d'un instant à l'autre. Olivier t'es là? Françoise elle est en haut. Olivier t'es là? Olivier. Non, non il n'est pas là pour le moment. Donc il y aura les résumés. Il y aura donc un remix exclusif qu'on a reçu. Un remix exclusif encore. Un nouveau remix Gérard. Non mais attends là faut se calmer déjà. Une, c'est pas parce que bon
dépassé un peu les horaires. Donc, il est minuit 3. Normalement, tu avais programmé minuit et demi. Ouais. Hein? Oui, mais il y avait trop de demandes. Ouais, ben, minuit et demi, quand c'est minuit et demi avec moi. Ouais. Hein? Ah, il y a un tatou qui sonne, là. Oh, Gérard. Oh, ta gueule, toi! Oh, tu vas pas me faire chier. Trois messages. Erreur. Hop. Hop, 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 hop. Bon anniversaire. Voilà. Alors, Gérard, on va accueillir, avant de démarrer vraiment, Vanessa, est-ce qu'elle est là, 20 ans de Paris? Bonsoir Vanessa, et puis on va peut-être commencer à faire descendre quelques personnes, quoi qu'on aimerait avoir Françoise. Est-ce que, Olivier? Ouais. Il y a Alain qui est là aussi. Hein. Ah bon, Vanessa? Oui. T'es là, ma chérie? Bonjour Max. Bonsoir. Joyeux anniversaire, Gérard. Merci. Non, non, Gérard, il va falloir te concentrer, t'éteins ton tatou, tu vas travailler. Non, mais Gérard, on fait de la radio. Voilà, ça y est, ça y est. Sur Fun TV ce soir, donc fais attention à ta gueule. Hein. Ouais, fais attention à ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Donc, Olivier, ouais. Est-ce que la caméra fonctionne? Bah, la caméra, pas encore. Parce que pas encore. On voudrait les faire descendre. Il arrive bientôt. Il arrive bientôt. Donc, on va attendre 2-3 minutes. Ouais, on va les faire descendre en direct. Et comme ça, vous verrez. S'il y a quelqu'un qui pouvait me redescendre une blonde, non. Ça serait sympa. Tu parles d'une cigarette? Ouais. Il y a quelqu'un qui peut me faire descendre une blonde, mais pas une cigarette. Ouais, mais une cigarette. Moi, une blonde si et une brune. Possible. Il faudrait une blonde et une brune. Non. Vanessa, t'es comment? T'es blonde, t'es brune? Blonde. Oh là là, morte. Blonde aux yeux bleus? Ouais. Ah. Eh, vas-y, demande-lui de venir. Eh, tu viens? Bah, pas de problème. Allez, viens. Ouais, mais on vient me chercher aussi. Ah non, 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 là. Non, non, ah, mais attends, on fait ah, pas. Ah, je vais pas venir toute seule, t'as vu l'heure qu'il est. Bon, non, mais dans ce cas-là, on fait pas les taxis. T'habites où? Pas loin de chez vous. Ah bah alors, en plus, on peut demander. Bah alors, tu viens. On peut demander à un auditeur qui est devant la radio d'aller venir te chercher. Ouais. Éventuellement, ça pourrait se faire, ça. Ouais. Bon, Vanessa, t'appelais pourquoi avant qu'on démarre très sérieusement la soirée avec plein de surprises? J'appelais pour parler des histoires passionnelles. Ouais. Parce que je trouve qu'on en parle pas assez. Ah, les histoires passionnelles. Ça, Gérard en connaît quelques-unes, il a vécu des histoires très passionnelles. Ah bon, hein. C'est vrai? Bah, je sais pas. Je sais pas, ça va dépendre de... Bah, des histoires passionnelles, genre, je sais pas, des trucs qui s'expliquent pas, qui n'ont rien à voir avec l'amour déjà. Et on fume pas dans le studio, Gérard. Pourquoi qu'elles ont... Ah, oui, Olivier? Alors, oui, vas-y. Olivier? Non, c'est bon, vas-y. Ah bon. Vas-y, pourquoi? Ouais, mais pourquoi pas sur l'amour? Pourquoi? Bah, parce que je trouve que la passion, ça n'a rien à voir avec l'amour, quoi. Non, mais attends. Donc, Le micro, pourquoi tu l'as baissé? Voilà. Attends, mais pourquoi Bah parce qu'une histoire passionnelle, c'est pas de l'amour, c'est de la passion, c'est sexuel, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas de l'amour. Ouais. Non, mais attends, sexuel, c'est de l'amour chez moi. Bah ça peut, oui, mais bon, une vraie histoire sexuelle, ça m'étonnerait que ça aille avec l'amour, quoi. Ouais. Ouais, enfin, mais. Pour moi, c'est. Ouais. Mais vas-y, finis. Je sais pas, tes histoires, elles sont. Il y a l'amour et la sexualité qui vont ensemble, quoi. Bah, en principe, oui. Ah bah, en principe, oui, bien sûr. Bah... Oui, bah oui, en principe, oui. Mais bon, moi, je trouve que les vraies histoires qui sont terribles, dingues, qu'on se rappelle pendant pas mal de temps, c'est des histoires qui n'ont, qui n'ont pas d'amour. Et puis, c'est que sexuel et c'est la grande passion. Il arrive plein de trucs. Et ça se finit mal, mais bon, c'est comme ça, quoi. Ouais, ouais, d'accord. T'as déjà vécu l'amour passionnel Voilà, c'est ça. Une fois, et ça m'étonnerait que ça m'arrive encore. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était comment? Mais c'était, qu'est-ce que t'appelles passionnel grave, vraiment, c'est que tu pensais tout le temps à lui, il était tout le temps avec toi, vous étiez tout le temps ensemble? Non, pas du tout, justement, on se voyait de temps en temps. Mais à chaque fois que vous étiez ensemble, c'était vraiment, ouais. T'étais vraiment sur un nuage. Bah ouais, c'est ça, c'est que, il savait comment me prendre, il savait comment me toucher. Mais est-ce que tu tiens vraiment à lui? Ah non, j'y tiens pas, non. Bah, dans ce cas-là, je vois pas le rapport. Mais c'est parce que j'aimais bien ce qu'il me faisait, quoi. J'aimais bien ce qu'on vivait ensemble, lui-même, pas trop, quoi. Bon, ouais, bah, d'accord. Bon, à mon avis, donc, tu l'aimes pas. Voilà, exactement. Et tu voudrais changer de partenaire. Non, mais rien, c'est bon, c'est fini, j'ai changé de partenaire. Bon. Mais ok Vanessa, ok, on a bien compris ton message. Ouais, aujourd'hui d'accord. T'es célibataire et donc on va te donner la possibilité de trouver l'homme de ta vie. Il s'appelle Gégé, il fête aujourd'hui ses 38 ans. Il est... 36 abruti. Bah c'est Florent qui m'a dit 38 non ans. C'est 36, c'est 63 à l'envers, merde. Putain, c'est pourtant pas compliqué. Non, on dit pas putain, on dit moment de travail. T'as raison, en plus il est minuit 8, si on commence déjà à dire des grossièretés, on va pas s'en sortir. Il y a déjà Cathy sur Minitech qui fait Gégé, t'as une grande gueule et t'as une queue qui pue la dida. Je me demande pourquoi Françoise aime te sucer, tu dois avoir mauvais goût. Ouais, et quel est ce père-foutre sur Minitel? En fait, Gérard, oui. Je voulais te parler d'un truc. Oui, Florent. Ah. C'est quoi ça?
Attends, c'est quoi ça, Vanessa? Oui. Ah, attends. On te trouve un auditeur. Attends, attendez. Parce que, attends. Assieds-toi, Florent. Gérard, assieds-toi. Non, mais. Je le passe. Les caméras, va falloir travailler là-dessus parce qu'ils sont largués là sur Fun TV. Eh, si c'est une connerie, tu la gardes. Bon, alors attends. Non, attends. On va se calmer. Dans ce cas-là, c'est simple. Vous voulez gâcher la soirée? Pas de problème. Dans ce cas-là, tu ranges ça, on verra ça après. Attends. Non. Bon, alors, tu fais une chose. Bon, bah, vas-y. Mais non, mais arrête. Mais non, Gérard, arrête. Non. Mais c'est pour déconner, Gérard. Oh, Gérard, c'est Max qui te parle. Non. Gérard. Attends, je reviens. Gérard. Je vous explique, on a reçu un tract en disant que Gérard ferait une soirée, donc je lui demande ce que c'est, et bah, il a même pas regardé ce que c'était, il a juste pris une feuille, et voilà, et il s'en va, quoi. On est désolé, hein, pour Fun TV, ça va pas tarder à arriver. Oh le bordel, putain. Ah non, mais là, ça va cogner ce soir, hein, je crois. Hein. Là, ce soir, vous allez avoir la plus belle émission que vous avez jamais vue, hein, vous avez jamais entendue. On a Françoise en direct là-haut. Attendez, on va se calmer parce que là, faut quand même que je m'organise, que vraiment de l'autre côté de la radio, les gens ne vont plus rien y comprendre. Vanessa, on va essayer de te trouver quelqu'un qui serait prêt à venir te chercher. Alors d'abord, on va faire un point. Est-ce que Olivier est là-haut? Allô, tu m'entends? Olivier, je sais que nous sommes en direct sur Fun TV, ouais. Que à l'accueil, je te vois, il y a effectivement Françoise. Avant, est-ce que tu pourrais me trouver quelqu'un qui serait d'accord pour aller chercher Vanessa? Ah, il faut quelqu'un qui serait d'accord pour aller chercher Vanessa. C'est où? Elle habite où, Vanessa? J'habite Pont-Neuilly. Au pont de Neuilly, quelqu'un a une voiture pour aller chercher Vanessa au pont de Neuilly? Non, malheureusement. Allez! Pont de Neuilly à 500 mètres. Tu peux venir à pied, Vanessa, c'est à 500 mètres. Vanessa, c'est vrai que si t'habites au pont de Neuilly, tu peux venir à Pince. Tu rigoles ou quoi? Ah, j'ai quelqu'un, je crois. Ah, montre-moi sa gueule pour voir. Tu veux bien aller chercher? Non, mais montre-moi sa gueule. Il est là. Faites-moi un plan sur la caméra. Faut que Max voit sa gueule. C'est très bon. Bon, comment s'appelle ce garçon? Comment tu t'appelles? Stan. Stan, regarde bien la caméra, je te regarde, je suis dans l'écran de contrôle. Tiens, donne-lui le casque. Merci. Max, quel est ton prénom, tu m'as dit? Stan. Alors, un gros plan sur Stan. Ouais, un gros plan sur Stan. Ouais. Voilà. Approche-toi de la caméra, fais-lui un gros plan. Un gros plan sur Stan, non, sur Stan. Oh là 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 là. Voilà, fais un gros plan, voilà, qu'on le voit bien. Stan, tu m'entends? Ouais. Regarde-moi dans les yeux. Eh oui, tu t'en rends pas compte, mais là, je te regarde, je suis juste en face. Oh, t'as des beaux yeux de noisette. Est-ce que tu voudrais bien aller chercher Vanessa? Ouais, mais elle habite où? Vanessa, t'habites où? Bah, j'habite pas loin. Je lui dirai hors antenne. T'es en voiture? Ouais. Eh ben, tu peux aller la chercher? Ouais. C'est génial. Ok, passe-moi. Gérard nous fait un énorme caca nerveux. Il est parti du studio à cause de Florent. Il faut quand même bien le dire, mais on va essayer de calmer tout ça. Est-ce que tu pourrais me repasser Olivier, s'il te plaît, Stan? Merci. Vanessa? Oui. On va donc aller te chercher. Ouais. Quitte pas hors antenne, on prend l'adresse et on va la monter là-haut au fameux stand. D'accord, Julie, tu peux gérer ça? C'est super sympa. Françoise, es-tu là? Françoise est là? Allô? Grand plan de. Oh là 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 là, les auditeurs de Fun TV, vous êtes en train de voir quelque chose d'extraordinaire. Ça va, mon amour? Allez là, passe-lui le casque, s'il te plaît, Olivier, si c'est possible. Ça va, mon amour? Salut, votre azor. Regarde la caméra. Ouais. Regarde la caméra, regarde en face de toi. Et moi, oui, je te vois. Mais le truc, il me fait mal aux yeux. Bon, très bien. On fait rentrer Gérard dans le studio s'il le veut bien. Gérard, please! Et on fait descendre Françoise. Alors, dis Françoise. On descend avec Françoise. Allez, on y va, c'est parti, on fait descendre Françoise. Eh, hey, y a pas que moi, hein. Y a Angie, hein. Ouais, après elle va descendre après. Petit à petit, on va y aller doucement mais sûrement, ouais. Parce que sinon ça va très vite être le souk et dans quelques minutes on commencera à faire descendre les auditeurs. D'accord. Gérard, si tu me fais, c'est pas sympa pour moi parce que ça fait 2 ans qu'on se connaît, j'ai fait beaucoup de surprises pour toi, si tu commences à faire la méga star, non, tu fais la star là. Tu fais la star, Gérard. Gérard, tu fais ta star et c'est pas sympa, t'as un manque de respect pour les auditeurs, je crois que tu n'es pas fait pour faire de la radio, t'as un manque de respect. À ce moment-là, tu restes chez toi tout seul, ce soir on fait la fête, c'est ton anniversaire, tu fêtes tes 40 ans. Écoute l'ambiance. Vous allez rentrer, rassurez-vous. Gérard, maintenant il va falloir que tu aies un petit peu de respect pour ceux qui regardent Fun TV, faut que tu t'assoies parce que là tu n'arrêtes pas de bouger, je te jure que c'est pas facile à faire pour moi, tu me facilites pas la tâche. Allume ton micro. Ce soir, c'est ta fête, Gérard. Ouais, non. Gérard, c'est ta fête. I love you, Gérard. Fais-moi un bisou. Non. Fais un rébéco.
Fais-moi un béco. Assis-toi. Si, fais un gros plan à la caméra. Fais un béco à tous ceux qui nous regardent. Fais un gros bisou. Faites un gros plan sur Gérard. Merci. Non, non, attendez. Assis, mais je veux que tu restes assis. Interdit de fumer dans le studio, Gérard, ce soir avec les caméras. On n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Je remercie tous ceux qui sont venus. Attends, Fun TV, s'il vous plaît, un gros plan sur la caméra. Désolé pour ceux qui font de la radio, mais ce soir, exceptionnellement, c'est ceux qui ont la télé qui vont pouvoir plus se régaler encore. Un gros plan sur sa gueule. Est-ce que c'est faisable? Ouais, sur sa gueule, et attends, ouais, tu parles gentiment. On peut faire un plan sur sa figure? Non, mais ouais, là, vous êtes de travers, si la caméra. Non, ouais, si, ça y est. Celle-là, la caméra de face. Ça y est, ils m'ont. La caméra de face. C'est bon, ils m'ont. Mais non, de travers pour faire. Voilà, extraordinaire. Regarde. Ouais, de travers. Fais un bisou. Non, mais là, de l'autre côté. Non, fais un bisou. Là, Gérard. Voilà. Là. Voilà. Mais... Bisous à tous ceux qui sont venus. Voilà. Qui sont devant, en haut, là-haut. Donc, je vais peut-être monter, je vais remercier. Non, tout. Tu restes là, tu fais de la radio avec moi, les gens vont descendre au fur et à mesure, s'il te plaît, Gérard, sinon tu t'en vas et à ce moment on te dit au revoir, ça sert à rien. On est là pour faire la fête ensemble ce soir, Gérard, il va falloir que tu restes dans ce studio, on fera descendre tes nanas, toutes tes poulettes. De toute manière, il y en a deux. Petit à petit, regarde. Merci. Il est minuit et quart, on est là jusqu'à 4h du matin. Françoise est prête à apparaître, donc on va faire rentrer Françoise dans les locaux. Attention, est-ce que t'es prêt à l'applaudir, on lui fait un petit oula, ouais. Attention, reste à. Quand t'as bu, c'est dur à gérer. Hein. Non, mais je voudrais bien un briquet. Ouais, bon, alors, exceptionnellement, un briquet pour lui. Tu seras le seul. On ne fume pas dans les studios. Tu seras le seul. Alors, un seul, allez, parce que lui, il faut qu'il se décontracte. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Tiens, après, dans deux minutes. Steph, tu peux trouver un briquet dehors. Ouais, ouais, Romain, est-ce que Romain est là? Et on peut avoir Romain, s'il te plaît, Florence, si tu y arrives, si tu sais que c'est pas facile. Romain? Salut, Max. Ça va, Romain? Écoute, on s'organise. Hein. Ah bon? Passe-moi Romain et Maëva, s'il te plaît, Florent. Maëva, t'es là aussi? Oui. Bonjour, Max. Salut Romain, salut Maëva. Salut tout le monde. Bon anniversaire à Gérard, j'imagine. Bah bien sûr, bon anniversaire GG. Merci. Notre star, idole. Voilà. T'as vu un peu? Françoise est prête à rentrer, attention, acclamation dès que Françoise. Quand vous voulez, Françoise. Allez, Françoise. Françoise. Elle va arriver, Françoise. Françoise, tu te dépêches, s'il te plaît. Non mais attends, calme-toi. Attention, Françoise. On y va, Françoise. Allez, Françoise, allez. Allez, Françoise. Là-bas, va t'asseoir. Eh, qui c'est qui a un briquet? Non, merci. Oh. Assieds-toi, va t'asseoir. À côté, mon cher. Voilà, fais un béco à Florent. À Gérard, quand même, avant à Gérard. Non, là-bas. Tiens, donne-moi le briquet. Non, c'est à toi. C'est à toi. Alors, fais un béco, voilà, fais un béco au standard. Allez, voilà. Et béco par un. Très bien, fais béco par un. Ça va être très très dur à gérer ce soir. Ouais, mais c'est normal. Gérard, attention, la bibise. Allez, faites-vous la bise. Allez. Mais vous filmez pas, quel dommage. Vous ratez tout. Ça va être beau. Voilà, magnifique. Voilà, alors. Ah bon, bisous, même pas bon anniversaire. D'accord. Négatif, je t'attends tout à l'heure. Quoi, tu m'attends tout à l'heure, pourquoi faire? Je t'attends tout à l'heure. Pourquoi faire? Pour boire le café? Bien sûr. Ah, tu me payes le café chez toi? Ah oui, pourquoi pas? Ah ben, de toute manière, pour l'instant, on ne sait pas encore. Hein. On attend d'autres personnes parce qu'il y a un blême. Merci. Qu'est-ce que tu m'as ramené? Maria m'a ramené? Si. Quoi? Mais pour le moment, c'est Angé qui l'a. Ah, c'est Angélique. Elle va venir? Elle est là-haut, elle nous attend. Bien sûr qu'elle est là. Ah bah si Angélique pouvait descendre, bon, alors, ça serait sympa. On va chercher Angélique maintenant avec la cam de Fun TV. Mais j'insiste très lourdement, voilà, ce serait plus sympa de faire un plan Fun TV de, comme ça qu'on puisse les voir. Alors je vais peut-être bouger ça. Attends. Non mais attends, on est obligé de fermer la porte. Oui, non mais Gérard, on est obligé, c'est comme ça, on fait de la radio avant tout. Ouais, mais attends, je vais simplement demander à la personne qui est juste là devant toi qu'il aille me chercher un café. Quel honneur, Stéphane de Hanover G va aller chercher un café. Tu me prends un café? Tu veux un café? Non, un café. Bon, si on vous dérange, on se barre. Tu mets le casque, Françoise, sur la tête? Là. Ah, c'est vrai que j'ai pas l'habitude. T'as pas l'habitude. Romain et Maëva, vous êtes là? Ouais, salut GG, salut Françoise. Salut. Salut Max. Tu peux parler devant le micro, Françoise? Tu prends le micro devant toi et tu parles surtout, voilà, tu lui expliques bien, Gérard. Et maintenant, Gérard, s'il te plaît, voilà, discipliné, calme, voilà. Ça va, Françoise?
C'est pas branché. Si, si, s'allumer, regarde. Alors monte le son. Non, mais il faut lui monter le son. Ah, c'est peut-être un peu fort pour François, c'est pas un peu trop non, fort. Non, ça bon. Va. Bon, c'est ça bon. Va. Tu vas bien. C'est bon. Tu vas bien. Bon. Tu vas bien, mon amour. D'accord, mon trésor. Ouh, d'accord, mon trésor. Romain, qu'est-ce que tu voulais dire? Alors moi, salut tout le monde. Je voudrais vous dire, victime d'un harcèlement sexuel au travail. Mmh. Ah. C'est assez embêtant parce que je suis pas une bon. Harcèlement, c'est pas tellement futé en soi. Et tu es là, Maëva, si tu veux intervenir. Moi, tu je suis un homme et je me fais harceler par le remplaçant de mon patron. C'est plutôt embêtant. Ouais. Alors, je sais pas, au début, je suis arrivé, on me disait, mon patron, mon vrai patron me dit, tu viens saper bien propre, en costard, moitié costard, quoi. Je suis dans la vente, je suis face au client. Et puis lui, le remplaçant, il me dit, tiens, il est plutôt en jean moulant, tout. Je comprenais pas au début, je me suis dit, ça se trouve, c'est un mec cool. Mmh. Donc, au bout du compte, c'était pas tellement ça, parce qu'au bout de 3 jours, c'était plus les jeans. Ouais. C'était carrément, il commençait à me monter des plans stupides, dire que bon, je dois mettre des trucs, des chemises un peu plus ouvertes ouais. sur le dessus. Ouais. Mmh. Une semaine, il m'a convoqué au bureau. Ouais. Et puis il m'a dit que si je voulais, vu qu'il a, il allait avoir des remaniements dans le personnel, ouais. que si je voulais rester, avoir une bonne place, il fallait carrément que j'essaye de ma foi fellation, un truc comme ça. Ah ouais, carrément. Gérard, ça t'est déjà arrivé, toi, pendant le travail, de te faire harceler par un patron qui te demande de faire des fellations avant de prendre le camion? Non, non. Hein? Non, jamais. Pas pour lui, quand même. Non, mais c'est vrai, vous connaissez la blague du camionneur, tu connais avec le singe? Tu connais pas Romain, tu connais Maëva? Moi c'est pas parce qu'on me drague. Non plus, hein? C'est quoi, qu'est-ce qu'il dit Romain? C'est pas parce qu'on me drague que je connais toutes les histoires de PD. Hein. Non mais c'est pas une histoire de PD, c'est un camionneur qui prend un autostoppeur et puis sur la banquette avant, entre l'autostoppeur et le camionneur, il y a un singe. Et le camionneur à chaque fois, toutes les 10 km, il tape sur la tête du singe et le singe il se baisse, il fait une pipe au camionneur. Et c'est comme ça tous les 10 km. Vous entendez? Ouais. Et puis il fait ça 3-4 fois. Et puis à un moment donné, il y a le chauffeur qui se retourne vers l'autostoppeur. Il fait, ça vous intéresse? Il fait, oui, mais tapez pas trop fort sur la tête. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Alors, oui, Gérard? Ouais, c'est on. Bon, bah, comme maintenant, je suis en direct sur Fun TV. Apparemment, c'est une fois la radio. Si on prévoit avoir des jambes dehors. Voilà, alors. Olivier. Alors. Olivier. Allô. Olivier, il y a Gérard qui mène tout depuis le début. Oui, Gérard. François, Olivier. Quand tu veux parler, tu parles. Maëva, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Quand tu veux Olivier, parler, tu peux essayer d'avoir. Bon anniversaire, Gérard. Merci, Gérard. Merci. Gros bisous partout, vu que moi je vais te devenir un gros bisou, Gérard. Les poèmes de GG. Non, les poèmes de GG. On se calme, on va commencer à faire descendre. On descend avec Angélique. Olivier. Non mais attendez, on a Olivier, pas... si des fois t'as une nana ouais. qui est dans le coin là, tu cherches dans tout le temps parce écoute, que j'ai vu qu'il y avait des nanas. Gérard, j'envoie une super bien, tu voulais te voir. Ouais. Mais elle peut pas rentrer. Hein. Bon. Qui rien, faut que tu viennes. Hein. Non. Eh, faudrait picoler pour toi. Non, mais Gérard, on ne boit pas. T'as vu les dents qu'elle est tâtée déjà? Non, mais j'ai du cidre. Si des fois tu peux avoir. Ouais, ça, c'est mon café. Merci. Non, mais attendez. Romain. Romain, voilà. Romain, on comprend bien. Désolé pour ton sujet, comprends bien que ce soir t'es tombé au mauvais moment. C'est que la connaissance de Gérard, vu dans les cas dans lesquels est Gérard, et vu l'ambiance qu'il y a ce soir, vu le monde qu'il y a devant et qui veulent descendre, rendre visite à Gérard. Oh là là, sur Fun TV, on voit les gens qui descendent et je peux t'assurer qu'il y a une nana qui arrive avec une jupe à la foufoune. Non, c'est pas la nana. Elle est où la nana à la foufoune qui était derrière vous? Elle est où? Elle arrive, faut pas qu'elle se planque. Attention. Ouais, je l'ai vu, hein. Ah, c'est ça. Oh, c'est ta fille. Oh, excuse-moi. Oh, merde. Oh, putain. Que la merde. Rah la foufoune, Angélique. Tu nous as cogné la tenue grave de chez Grave, là. Super beau, magnifique. Extraordinaire. Attention, on va faire un plan, là.
Voilà, superbe. Bon, très bien. Romain, reste donc avec nous. Maëva, tu as un cadeau à faire à Gérard dans un instant. Oui. C'est ça. Oui. On aura Extra Ball également, s'il te plaît, Florent ou Julie, s'il vous plaît. Extra Ball, tu auras un poème pour Gérard. Ouais, exactement. Ouais. Très bien. Benoît également sera là pour le mariage du siècle. C'est ça, Benoît? Ouais. C'est ça, Benoît? Ouais. Ok, très bien. Tu ne bouges pas, mon enfant. Bah, si vous voulez venir déconner avec nous, c'est ce soir une radio libre très particulière. La première, c'est parce que c'est retransmis sur Fun TV. Donc, profitez-en, faites la cassette. Merci pour Alain, les clashs. Alain Lebec ne va pas. Alain Lebec, non, maintenant, Florent, tu, Gérard, n'oublie pas qu'on fait de la radio. Donc quand je parle, tu te tais, tu fermes ta gueule. Merci. Merci, chef. Donc si vous voulez nous appeler et venir déconner avec nous, c'est le 0800 70 5000. Florent et Julie vont avoir beaucoup de travail ce soir. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, une fois comme ça dans l'année, il faut quand même s'y prêter. Il faut savoir rigoler et jouer. Il y a Olivier également qui est là. On va vous passer des diffusions de poèmes, des rediffusions d'ultimatum et de débats. Dans quelques minutes également, Alain viendra nous rejoindre dans les locaux. Alain Lebeg de Versailles, qui normalement a un poème pour toi, Gérard. Et Gérard, je l'espère, a des poèmes. Et François, est-ce que tu as des cadeaux ou des surprises à donner à... J'ai un cadeau à donner. Non, mais les poèmes, moi j'ai prêt enfin, et ça va être la surprise parce que j'ai rien préparé. Donc ça va être. Ça va être la surprise du chat. Quand tu prépares, c'est à chier. Alors quand tu prépares pas, qu'est-ce que c'est alors? Non, mais là ça va être autrement. D'accord, très bien. On va essayer de se calmer un tout petit peu. Merci pour les flashs. Merci, on va éteindre les micros, voilà, comme ça pour que je puisse parler correctement aux gens qui écoutent la radio, Fun Radio et la radio libre de la nuit, avec dans un instant un petit peu de musique. Et avant la musique, on va déjà vous rediffuser un extrait d'un débat de GG qui est probablement le meilleur, en tous les cas l'un de ceux qui m'a fait le plus poiler. J'ai dû l'écouter une dizaine de fois dans ma voiture cette semaine. Ça s'appelle La différence d'âge. Écoutez bien l'introduction de Gérard qui se met à gueuler alors que le débat n'a pas commencé. Et quand le débat commence, ça monte crescendo, crescendo, crescendo. Mais de toute manière, j'ai décidé que maintenant je vais être calme. Maintenant, je préviens d'une chose. Faut mettre les points sur les i, comme j'ai dit hier, faut gueuler. Les points sur les i et les barres sur les t. Le premier ce soir qui vient me faire chier lors du débat, va casser. Parce que là, moi, je vais pas m'amuser. Non, mais moi, je vais pas continuer comme ça. Arrêtez de vous barrer, après non, quoi. Non. Il va... Moi, vous démerdez au standard. C'est clair et net. Il va casser quoi, GG? Non, mais moi, j'ai tout arrêté. T'as pas. Ouais, bah, vous démerdez. Alors, déjà, Tony, j'en veux pas. Non, mais t'as raison, en plus je partage tout à fait ton idée. Je sais pas, Tony, si, j'en je veux sais pas qui c'est David, qui t'a motivé, mais je sais pas qui c'est qui t'a dit ça, mais putain, t'es remonté, hein. Donc, bonsoir à tous. La nuit des. La libre antenne continue, donc 2h13 du matin. Donc vous venez d'entendre. Là j'ai pas eu de truc. Donc on va accueillir Taïdé, 21 ans de Paris. Bon, t'es pas là. Alors bonne nuit. Christelle, 31 ans. Oui. Alors je sais pas d'où. C'est bien parce que Vanessa. Salut. Tony. Bonsoir Gérard Padel, ça va, t'as la pêche? Non, bah tu vas pas commencer, s'il te plaît. Ah non, je commence pas. Non, mais tu vas pas commencer, ça va être clair. D'ailleurs, je tenais à... Tu vas pas commencer. En plus Gérard, j'ai mis 2 jours pour le préparer, ce débat. Ouais, donc, t'as mis 2 jours, je veux pas le savoir. Pour l'instant, j'ai pas fini les présentations, ouais, donc vous avez pas commencé. Ok. Ouais. Françoise. Oui, je suis là. Et David. Ouais, je te rappelle que j'ai appelé avant que tu fasses le débat sur Fun Radio. Ça va, ma boule? Ouais, entre parenthèses. Ouais, vis-à-vis ton débat, il y a une personne qui m'a appelé parce que j'ai appelé une personne. Ah, le petit. Ah, c'est bon, vous calmez derrière, s'il vous plaît. D'accord, là on fait le débat. Ouais. Ou sinon vous sortez. Sinon, vous sortez de... Ouais, c'est bon, Françoise. Hé, hey, Françoise. On gueule pas Françoise, hein. Hé, hey, Françoise. Françoise. Ouais. On y va. Donc, il y a eu... Côté de nos gens. Ah, c'est bon, Tony et David. Vous la calmez. Non, mais d'abord... Gérard, vous calmez, s'il vous plaît. Je voulais prévenir les auditeurs qu'ils allaient plonger dans la cinquième dimension et que Gérard est à Fun Radio, ce que l'hémorroïde est à l'anus. On a beau gratter, ça s'enlève jamais. Bon. Non, on peut pas parler à ce moment. Alors, David et Tony, je vous préviens, vous allez vous calmer ou sinon ça va être clair et net, vous saquez. Alors, vous laissez finir, Françoise, ok? Ça va être clair et net. Ouais, c'est clair et net et point final à la ligne, ok? Françoise, tu voulais dire quoi? Parce qu'on on va pas coucher sur ce que tu veux dire. Attends, la question, c'est vis-à-vis du thème.
Voilà, vis-à-vis du thème. Vis-à-vis du thème de quoi ? Du thème. Bah, du thème, du terme du débat. C'est quoi ? Du thème exact. Voilà, c'est quoi sa question alors, Françoise ? Non, tu la poses, et après je réponds. L'eau origineuse. Non, tu vas répondre en direct. Non, Françoise, c'est toi qui... J'assume pas, moi. Voilà, dans ce cas-là, c'est pas la peine. Maintenant, on va poser les... Comme on a une, deux, trois et quatre nanas, on va poser la question aux quatre nanas. Et les mecs ? Les mecs, on verra ça après, d'accord ? Parce que c'est moi qui gère. Ouais, okay ? C'est toi le chef. Donc, pensez-vous que l'âge soit important ? Donc, on va demander à Charlotte, à Christelle, à Vanessa, et puis à Françoise. Et à Tony aussi. Non. Toi, Tony, tu la fermes. Et à David, okay ? Vous fermez tous les deux. Je peux te poser une question, Gérard? Tony, parce que depuis tout à l'heure, t'es en train d'emmerder ton monde, tu laisses pas parler les nanas. Non, vas-y, non, mais les nanas, je les respecte, mais je vais te poser une question, s'il te plaît. Allez, vas-y. Alors voilà, alors. Moi, je suis contre la différence d'âge, les personnes qui naissent la même année, ne devraient pas avoir le même âge. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bon, Tony, hop. Allez, hop. Tony, vous le virez. Mais non, mais non. Non, Tony, tu dégages. Tony, tu dégages. Tony, tu la fermes. Il y a des problèmes techniques. Pour l'instant, lui, il a rien à dire, c'est pas la peine. Non, mais c'est mon cochon d'Inde qui avait mordillé le feu. Ton cochon d'Inde, j'en ai rien à foutre. Il s'appelle Gérard. J'en ai rien à foutre de ton cochon d'Inde. Il s'appelle Gérard comme toi. T'as terragnagna, Gérard, ou quoi? Non, mais moi, les gens qui ont rien à dire, c'est bon. Ce n'est pas le problème. Tu n'as qu'à enchaîner avec tes questions et essayer de faire comme s'ils n'étaient pas là. Françoise, t'es plus là? Non, je suis plus là. Ouais, non. Gérard, non, je suis plus là. Françoise, elle allait prendre l'apéritif. Non, t'es plus là. Ok, bonne nuit. Non, je suis là. Ouais, alors. Et Gérard, tu restes poli quand même. Oh, ouais, c'est bon, toi, tu la fermes derrière, s'il te plaît. Bon, tu réponds à ma question sur son groupe. Ah, mais attends, Tony, s'il te plaît. Oui. Pour l'instant, c'est moi qui mène les débats. Oui. Eh ben alors mène-les, pose tes questions. Allez, pose tes questions. Maintenant, on va finir avec la première, après vous allez répondre à la deuxième. Les nanas, qu'est-ce que vous pensez de la différence d'âge à peu près environ, le matin? J'ai pas entendu, là. Non, mais ça, je l'ai dit, bon, je m'en fiche complètement. Non, mais attends, avec Christelle. Oui. Christelle. Ouais. Oui. Tony et David et Eric, vous l'affirmez? D'accord. Ouais. Ouais, non, mais maintenant, la question, c'est pas la différence d'âge. Monsieur Eric, hein. C'est monsieur Eric. Monsieur. Alors, de monsieur, moi, j'en suis tous les matins. Ouais, mais okay. Monsieur Eric, ouais. Non, okay. Mais il n'y a pas de monsieur. Hein. C'est des monsieur liquides. Alors, si c'est monsieur, dans ce cas-là, tu vas voir monsieur Florence. Un petit coup de remix. Non. Ah, j'ai une cassette toute prête dans mon poste, là. Ouais. Eric. On va avoir de la part de bloc, dehors. C'est possible. Ah, non. Pourquoi... Eric, bonne nuit. Tu vas pas virer tout le monde, il y aura plus personne dans le message. Vas-y, Gérard, c'est ton débat. Gérard, t'as pas les 5 T-Squad? Bon, question suivante, peut-être. Question suivante, pour l'instant, vous allez la fermer, là. D'accord. On va remplacer Charlotte. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonjour. Bon, alors, maintenant, j'ai posé... Maintenant, Je m'appelle Tony, tu peux m'appeler Sex Machine, si tu veux. Vas-y, Gérard. On sait que c'était Gérardine avant sur Kyrock, donc tu vas pas nous la faire. Attends, t'es qui, toi? Moi, c'est Tony. Moi, je sais qu'on est Gérardine. Eh ben, Tony, bonne nuit. Non, mais il souhaite bonne nuit à tout le monde. Tony, tu lui dis qu'il se calme. Gérard. On fait pub sur les radios. Tu permets? Moi, je m'amuse pas à aller faire comme Michael, comme tout à l'heure. Ok. Alors, c'est cool. C'est pas ce qu'on nous a dit. Hein. Non. Et moi, je t'ai entendu chez Malère. Alors, maintenant. Attends. Là, vous allez la fermer parce que là, c'est pas le thème du débat. Allô, Gérard. Allô. Quoi? Qu'est-ce que t'as, toi? Là, je te pose la question, quoi. Gérard, moi, je t'ai entendu sur Malère. Non, mais. Mais c'est bon. Gérard, alors, vous allez vous calmer. Voilà. Vous allez vous calmer maintenant. J'ai changé de. Gérard, calme-toi. Bonne nuit. J'ai changé deux côtes léchées contre une poupée gonflable. Non mais reviens Gérard. Gérard, allez. Je déconne, en fait je t'ai entendu sur RTL. Gérard. Gérard, avant de te barrer tu mets un martel. Attends, tu la fermes. Attends, tu vas la fermer. Sa barbe. Ok. Non mais là, allez me dire que je vais sur d'autres radios, non. Si. Fais pas Michael. C'est vrai que c'est ignoble. Je t'ai entendu chez Malère. Bon alors Tony, tu dégages. Allez, bonne nuit. Mais arrête de dégager. Non. Oh, il doit avoir 39 de fièvre, Gérard. Non, moi, de manière, je continue pas. Elle a échangé deux coups de musique. Non, je ne continuerai pas. C'est Tony, je t'ai entendu faire la messe dans le truc, la radio Montmartre. Ouais, radio Montmartre. Attends, toi, tu viens. Alors, de manière, le deuxième débat, je veux pas... Tu veux pas quoi?
Manière, je veux ni Tony, ni Eric. Oh, bon, j'ai rien fait. Non, non, mais Manière, vous dégagez. Monsieur Eric. Ouais, monsieur, ouais. Monsieur, moi je t'emmerde. Ah, d'accord. Ah, carrément. Quoi. Non, non, mais attends. Hey, le mec qui s'amuse à dire que je passe sur Europe 1. Ouais, dans ce cas-là, tu fais une chose au lieu de le dire. Et tu la fermes. D'accord. Dans ce cas-là, tu balances tes cassettes en direct. Mais je t'en vois, j'ai mais tu la fermes. Tu balances tes cassettes en direct. Parce que je commence à en ras le bol de vos conneries. Non, non, mais c'est bon. L'ultimatum, vous me faites chier. C'est clair. Ouais. Déjà une. Ouais. Je suis jamais passé sur Europe 1. Attends, je note. Ah, si. Non, non, non. Ah, si. Merde. Non, manière, vous êtes à deux là. Écoute, Gérard. Là, ouais. Écoute, Gérard, t'étais sur Kairok, t'étais Gérardine. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais. Ah ouais. 36-15 Ula. Ouais, c'est bien. Alors 36-15 Ula, vous commencez à me casser les couilles. Oh là, vous envoyez les réels. Maintenant, vous me faites chier. D'accord. Vos conneries, j'en ai ras le bol. Maintenant, vous envoyez les preuves réelles. Ouais, pas de photocopie. Gérard, mon Star System, c'est ça. C'était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Fun Radio et la radio libre de la nuit avec ce soir l'anniversaire de notre ami Gérard jusque très tard dans la nuit. Et en plus, c'est sur Fun TV. Profitez-en. Françoise est déjà dans les locaux. À ses côtés, la belle et ravissante Angélique, qui n'est autre que sa fille. Alain va arriver et on a d'autres surprises. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. On va saluer également les gens sur le Minitel 3615 Code Fun Radio, rubrique direct, comme Virginie qui me laisse un message très sympathique. N'hésitez pas. Allez, on y va avec Dr Alban et Sing Alléluia. Et on revient juste après avec toute cette chaude équipe du Star System. Fun Radio et la radio libre de la nuit, ce soir anniversaire de Gérard, retransmis en direct sur Fun TV. Profitez-en, vous voyez Gérard et vous voyez Françoise. Faites un petit signe, un petit coucou à tous ceux qui nous regardent à la télévision. Salut à tous. Merci d'être venus. Très bien, si vous voulez nous appeler, bien entendu, faites l'anniversaire à Gérard comme il se doit. Dans quelques instants, on aura carrément un énorme cadeau à t'offrir, Gérard. Il y en aura d'autres qui viendront. On a toujours notre ami Olivier qui doit être en train de direct là-haut. Allô. Ouais. Ouais, on est là, ouais. On va descendre avec Alain. Là. Alors maintenant, Alain Lebeg est là. Il y a un gros plan sur lui en ce moment sur Fun TV. Ouais. Donc, alors tu descends, tu nous l'amène bien entendu. Okay. Nous on va prendre 0800 70 5000, quelqu'un Gérard est l'un de tes intervenants les plus tonitruants lors de tes débats. Là je te parle en chinois. Non, mais attends, si tu peux on peut pas sinon on te voit pas. Ouais, mais alors non, bon, mais écoute, dans les yeux j'aime pas trop. Salut Ardette. Salut Gérard. Salut. Ça va? Parle devant ton micro Gérard. Mais dis-moi, tu m'as pas invité pour ton anniversaire? Ah mais de toute manière je t'avais prévenu quand j'étais en vacances. Non mais t'abuses Gérard. Comment? Moi, tu me dis, je peux venir et tout, je vois pas le délire, là. Non, non, mais attends, de toute manière, c'est... Non, non, Gérard, tu me fais un faux plan, c'est pas cool. Non, non, quoi. Mais de toute manière, je t'ai jamais invité, d'accord? Non, non, dis pas ça, Gérard. Ouais, non, mais attends, mais Arnette, Gérard invite qui il veut, il t'aime bien, quand tu nous fais bien rire dans tes débats, mais on voulait pas t'inviter. Voilà. Ouais, c'est pas cool, tout ça, quoi. Non mais attends, de toute manière c'est pas moi qui ai commandé. Bon, enfin, ça frappe. Ah, attends, excuse-nous Arnette, deux secondes, reste à l'antenne. Vas-y, entrez. Entrez monsieur. Waouh. Ah, ah, c'est bon. Ah, voilà là. Allez, Alain, le plus beau. Ça va Alain? En forme. Le plus beau, le meilleur. Très bien, Alain donc. Si tu veux venir prendre place à côté Alain Lebeg de Versailles qui pénètre dans le studio, tu vas t'installer là juste de l'autre côté comme la dernière fois, t'as même place. Gérard, remets-toi au milieu. Voilà. GG, tu l'installes, t'installes ton pote. Eh, vous pourriez vous faire la bise pour l'anniversaire, bordel. La bise, quoi. Ouais. Ah là, Gérard. Ouais. Voilà, donc. Ouais. Installe-toi, Gérard. Donc. Arnette, apparemment très vexé à raccrocher, Gérard. Hein. Ouais. Tant pis pour lui, hein, c'est bien fait pour sa gueule. C'est bon, Alain ? Ça va ? Bon, ça va, voilà. Tu peux t'installer. Tant pis, qu'est-ce que t'as à dire à Arnette qui doit nous écouter ? Tant pis pour lui. Ben, tant pis, il a raccroché, c'est pas de ma faute. C'est pas de sa faute, voilà. Maëva est également à nos côtés. Est-ce que Maëva est là, s'il te plaît ? Ouais, là, c'est Léa, c'est la copine de Maëva, on est toutes les deux. Oh, génial. Ouais, ben, on vous écoute toutes les deux. Attends. Maëva ? Là, c'est Léa. Alors, Léa, vas-y, Léa. Le cadeau pour Gérard, et ensuite, on aura un cadeau à offrir à Gérard. Attendez, alors d'abord, Maëva, qu'est-ce que tu as comme cadeau ? Non, là, c'est Léa, la copine vas-y, de Maëva. Vas-y, bah, c'est Maëva pas grave, Maëva. Ouais, okay. Vas-y, accouche. Allez, vas-y, accouche, il a raison. Bah, parce que Maëva et moi, on aimerait faire un cadeau pour l'anniversaire de Gérard, on voudrait lui offrir notre virginité. De quoi ? Est-ce que ça te prend, Gérard ? Ouais. Ouais ? La virginité ?
Oui. Ouais. Non, mais attends, vous avez quel âge, là, les nanas? Maëva, elle a 21 ans et moi, j'ai 19 ans et demi. Oh là là, là, je prends les filles. Ah là, c'est bon pour Max, hein, c'est pas pour ça, moi. Max, c'est pour Gérard. Oh oui, mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire aussi, allez, merde. Oh non, non, c'est Gérard là qui nous intéresse. Non, non, les filles, mais c'est pas grave, j'ai envie aujourd'hui. Non, ah, c'est non, en septembre. Faites-moi plaisir. Il y a pas une, il y a pas pour l'instant. J'ai pas trouvé. Alors allez-y. Alors allez-y. Il y a qu'Angélique, mais elle est mariée et tout. Bon, et puis, je n'intéresse pas. Elle est même pas là. Elle est, si, elle est, où, elle est derrière moi. Elle est en train de me ploter. Elle rêverait de me masser, mais elle ose pas. Alors si. Oh là là. Non, mais pour être très franche, c'est surtout Gérard. Ah, mais tu fais ça mal. Tu fais mal, Léo. J'ai mis un pins. Alors, Gérard, qu'est-ce que tu fais pour Maëva et Léa? Est-ce que tu acceptes leur virginité? Oh ben, moi, si elles veulent venir, moi, sans problème. Hein. Non, mais ce qui est très bien, c'est qu'en plus, comme... Oh là là, oh là là, oh là là, voilà, voilà que Maëva... Hé, moi! Attends, Maëva, il y a la fille de Françoise qui est en train de me masser. Non, mais Gérard, ce qui est très bien, ce qui est très agréable, c'est que tu... Elles sont de Reims, donc si tu veux, champagne. Ouais, mais champagne, on en a pas. Ah, puis dans le dos, vas-y, dans le dos, ça va me faire du mal. Mais qui c'est qui me masse? Oui, tout à l'heure, Françoise va te masser, vas-y, Françoise. Oh non. Non, 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 non. Ça non, va, Alain? Ouais, ouais. En pleine forme, Alain? Ouais. T'as un petit poème pour Gérard tout à l'heure? Ouais, ouais. D'accord, ok, ça sera la surprise. Attention. Deuxième surprise. Attention à la surprise. Maëva, il y a un cadeau qui va rentrer. Merci, c'est ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est quoi ça? Oh, calmez-vous, calmez-vous! Oh attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a deux, il y a trois. Arrêtez, attendez, il y a trois personnes qui viennent de rentrer dans les studios. Attendez, qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Attendez. Il y a trois personnes qui viennent de rentrer. On est le fier! Criez pas, attendez. On est le fier! C'est quoi le FIAF? Bon, d'intervention anti-bisexuelle! Arrêtez! C'est quoi ça? Passons incognito! Vous êtes qui? Oh bon, alors, attendez, il y a des revendications, il y a trois personnes qui viennent faire irruption dans le studio et qui ont envie de parler. J'ai reconnu! C'est qui ces mecs? Attends, je ne sais pas du tout. Attendez, arrêtez! Gérard, s'il te plaît, vous êtes qui? Alors qui veut parler? Françoise est tétanisée. Qu'est-ce que... Non, mais c'est rien, Françoise, t'inquiète pas. Moi, je suis l'immobiliste, Françoise. Okay. Je suis Monsieur Plomb. Je suis le directeur du FIAM. T'inquiète pas, je les ai reconnus. À la droite. Droite. Allez, là. Ouais, dis, je jure. On peut faire un plan de caméra, s'il vous plaît, un gros plan sur eux. Alors, qui est le chef de la bande? Y a pas vraiment de chef. Y a pas de chef. Max. Oui, oui. Ah, mais c'est bon, on est reconnu. La semaine dernière. Ouais, toi, là-bas. Le débat. Ah, écoutez, il y a des revendications, ouais. Excusez-nous, il y a une intervention donc de trois personnes dans les locaux. Nous avons voulu passer à l'antenne. C'est vrai. Sur la bisexualité. C'est vrai. Gérard. Parce que la bisexualité. Gérard. Ouais. C'est être deux, nous revendiquons, nous voulons être seuls ensemble. Ouais. Okay. Mais c'est qui Gérard? Non. C'est qui Gérard? C'est moi. Ouais, c'est bon. On t'aime bien toi. Et toi? Je suis Max. Ça c'est mon chat. Ta gueule, Minette. Tu t'aimes ta gueule. Tu vas être notre porte-parole ce soir. Monsieur Bonnotel. Voilà. Là, on arrête. On coupe. Alors faites votre revendication et barrez-vous. Bon. Max, alors, fais ton droit, mon sang. Laisse-les parler, sinon ça va mal, ça va dégénérer. Gérard, vous. Tu dis souvent, il n'y a pas de mal à se faire du bien. On est vous êtes d'accord. On est derrière là. Tu vas être notre porte-parole. Pourquoi? Ah, mais je suis pas votre porte-parole. C'est vrai que tu touches des fois ton zizi tout seul? Non. Si, on t'a vu. Non. Françoise, tu as dit à multiples reprises. Ça fait du bien de te faire. Je voudrais que... Arrêtez. Attendez. Arrêtez. Je voudrais... Arrêtez. Ma main droite. Allez, c'est bon. Je suis dans le Gérard, calme-toi. Laisse-les parler maintenant. Tu te tais, Gérard. Vas-y, laisse-les parler. Les a reconnus. Allez-y, vite. Terminé. Qu'est-ce que vous avez encore à dire? J'aimerais que Gérard dise avec nous le slogan du FIAB. Oui. Gérard, si tu peux lire, si tu arrives encore à lire. Je ne vois plus rien. Fais-moi l'amour tout seul. Fais-moi l'amour tout seul. Des fois, c'est chien tout seul. Non. Non, écoute bien. Bah attends, c'est ce que tu m'as marqué. Bien. J'aime faire l'amour tout seul. Mais des fois, c'est bon. C'est chiant tout seul. Ouais, mais c'est chiant, mais... C'est pour ça qu'on lui propose, nous. Voilà. De donc... quoi? De quoi, Maïva? Qui c'est qui parle, là? C'est moi, c'est bon, Gégé. On le fiable tous ensemble. Attention. Un, deux, trois. Les poètes de Gégé. Les poètes de Gégé.
bah, je comprends, bon sang. Alors, c'est bon. On va peut-être lui dire, attention. 1, 2, 3, allez. Joyeux anniversaire. Que la vie non, est belle, on va faire rentrer le gros cadeau, le gros attends, du gros. Avant, je crois qu'on va avoir la première. Attendez, la réaction de Françoise. Françoise, elle a flippé. Je suis vachement à la trouille et j'ai encore peur. Hein. Non, mais merci. Rassure-toi, Françoise. Merci à tous. C'est Philippe de la Fun Force et il y a également Cyril et puis il y avait également d'autres complices de la radio. Tout va bien. Non, mais j'ai eu peur. Hein. Je sais, je t'ai vu, t'étais blanche comme ça. T'inquiète pas. Oui, t'as là maintenant, t'inquiète pas. Alors, comment? Merci, Miguel. Ah, le petit con. C'est bon, tu peux t'asseoir. Tu peux reprendre ma chaise, maintenant. Tu peux. Alors, on va emmener le cadeau là-bas. Tu peux. Ce soir, c'est la fête vraiment. Donc, excusez-nous pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous écouter. Il était pas invité, mais il est venu quand même. Et je crois que c'est Arnette qui va donner les cadeaux à Gérard. Arnette, tu vois qu'il est là, Arnette. Gérard. Oh, il s'en fout. Le principal, c'est que les gens lui aient donné des trucs à Gérard. Gérard, le respect, Arnette au moins. Pense à Arnette. Je sais que là. Arnette, super. Tiens bien. Bon, Arnette, tu vas rester dans le coin, bien entendu. Tu attaques à ouvrir les cadeaux avec lui si tu veux bien. Comme ça, tu vas devenir une star. Tu vas passer à la télé. Bon, bah ça. Allez, vas-y, Arnette. Allez, vas-y, Françoise, aide un peu à ouvrir. Alors, on va découvrir ensemble les cadeaux. Françoise, quand même, s'il te plaît. Alors, si. Extraball est là. Extraball, t'es là. Extraball ? Oui. T'es là ? Oui. Ok, c'est très très compliqué ce soir pour moi, tu m'en excuses. Non mais c'est pas grave. En plus, on a les interventions tonitruantes de Alain qui ne cesse de parler. Ça va Alain ? Tu peux... Bah ouais, bah... Tranquille. Je vais enlever de la bouche, excuse-moi. Alors, Gérard est en ce moment avec Françoise, avec Arnette, en train d'ouvrir des cadeaux qui sont dans un énorme carton. On en a reçu des kilos et des kilos. Les gens vont descendre régulièrement. Si on peut faire descendre des gens maintenant pour faire visiter 5 minutes quand même. Parce qu'il y a beaucoup de monde devant la radio. Extraball, t'auras un poème pour Gégé ensuite. Exactement, oui. Bon, ok, d'accord, très cool. Et donc, Gérard, décris-nous un petit peu ce que tu as reçu comme cadeau. De la quoi? Attends, Max. Oui. Quand est-ce que Gérard va déballer notre cadeau à nous? Je sais pas, mais s'il a pas le temps de le faire, moi je veux bien le faire. Mais bon, ceci dit, t'es à Reims, hein. Et à mon avis, moi je peux me déplacer. Deux vierges de Reims, il sera plus intéressé par l'alcool qui est à Reims que par les nanas qui sont au Reims, hein. Ah bon? On est étudiante à Reims. Ah d'accord. Et les cadeaux, la boisson peut l'amener avec nous, hein. D'accord. Maintenant, il va nous dire exactement ce qu'il a dans le carton. Je remercie Laurent. Voilà. Alors, Gérard. Je remercie Laurent et je remercie la personne qui m'a envoyé de l'allée d'un Whitson. Silence. Attendez, on va recommencer. Gérard. Qu'est-ce que tu as reçu comme, c'est quoi, c'est comme parfum? De l'allée d'un Whitson. Donc, de l'allée d'un Whitson. Ouais. Des pieds de, je sais pas quoi. Des pieds, c'est quoi ça? C'est des pieds, c'est des tripes de porc, non? Il y a de l'Astrique. Je remercie la personne, Laurent. De l'Antarctique. Ouais, l'Antarctique. Je remercie Laurent. De l'Astrique. L'Antarctique. C'est du parfum. Non, mais là, c'est toi qui a le bocaux. Qui a le bocaux. La Françoise, elle me donne un paquet. Donc, c'est... De l'Adidas. Voilà, bouquin d'orthographe. Merci. Oh là là, c'est des tripes et des pieds d'agneau que t'as. Oh là là, tiens. Anna. Tiens, Gérard. Je remercie Anna. Je remercie Anna. Alors, qu'est-ce que t'as eu là-dedans? Bah là, c'est un bouquin d'orthographe. Ouais, c'est assez clair. Bah quand on vient d'entendre, c'est lui qui a le bocaux, c'est vrai que ça va te servir. Il sait même pas lire. Voilà, merci. Toujours là, Maëva Extraballe Léa. Oui, je suis là. Okay, alors cool. Là, le truc. Le cul, poubelle. 200 pages. Ah ouais, c'est sympa. C'est vrai. Donc, je remercie Serge Denis. Ouais. Bon anniversaire, Gérard. Alain, aide-les, tiens, s'il te plaît, si tu peux les aider, parce que dans le carton, la pauvre Françoise est complètement perdue. C'est bon anniversaire de... Ah, il y a Miguel, tiens, qui vient d'arriver. Miguel de la Fun Force, qui va te souhaiter un bon anniversaire aussi. Des stylos. On va saluer Maëva et Léa, on va les laisser, on va vous embrasser, attends, les filles. Attends, Max. Oui. Mais nous, on peut monter, hein.
À Paris. Eh ben, vous montez, mais il faut monter maintenant. Quand vous voulez, mais... Maintenant. Mais on peut fixer rendez-vous, parce que là, on est à Reims, donc bah, écoutez, ça fait une heure de route environ. Eh ben, vous voyez ça hors antenne, il n'y a pas de problème, à tout à l'heure. Vous voyez d'accord. Ça avec okay, on est là au moins... Je pense qu'on est là jusqu'à 4h du matin, donc... Jusqu'à 4h. Ouais, ouais, donc on t'embrasse, Maëva. À tout à l'heure. Ouais, d'accord, à tout à l'heure. Vous gérez ça hors antenne, merci. Ah, vous les enlevez, merci. Vous gérez ça hors antenne, s'il vous plaît. Gérard, pourquoi tu dis pas ce qu'il y a dans les paquets? Tu ouvres les paquets, mais tu dis pas ce qu'il y a. Non, mais attends, pour l'instant, on a du mal à découvrir les paquets. Ouais. Là, à mon avis, c'est des bonbons. J'ai du mal à l'ouvrir. Extrabal, t'es avec nous? Oui, je suis toujours là. Est-ce que tu pourrais lire le poème qui est dédié à Gérard? Gérard, est-ce que tout en ouvrant les cadeaux, tu peux te concentrer à ce ah que... Un paquet de nouilles. Parle à mon cul, ma tête est malade. Ouais, est-ce ouais que... mais j'écoute en donc, même temps. Tu vas ne plus commenter ce que tu es en train d'ouvrir, mais tu vas ouvrir tes oreilles pour écouter ce qu'il dit. Est-ce que c'est pas trop compliqué? Ouais, bah, sans problème. Alors, Extrabal, poème, on y va. 3, 4, 6, 12, c'est parti. Alors, c'est je voudrais te dire bon anniversaire. Écoute bien, Gérard. Ouais. Parce que je voudrais te dire bon anniversaire à Fun Radio, mais je n'habite pas Neuilly. Je voudrais te dire bon anniversaire en te serrant la main, mais je ne veux pas être malade. Je voudrais te dire bon anniversaire parfumé à l'Adidas, mais je trouve que ça pue. Je voudrais te dire bon anniversaire en te présentant à plein de copines, mais elles ne voudraient pas de toi. Je voudrais te dire bon anniversaire par derrière, mais je ne suis pas homo. Je voudrais te dire bon anniversaire en bipant ton tatou, mais ça coûte cher. T'as raison, Extrabal, ça doit sentir l'alcool de l'autre côté de la radio non, à 10 mètres. Attends, c'est pas fini, reste de verre. Ouais, bah vas-y. De verre, ouais. Ouais, de verre, ça ne suffira pas, Gérard, pour être gay. Hein. Non, mais continue. Vas-y. Donc, je voudrais te dire bon anniversaire à la loco un vendredi, mais je ne scope pas les chiottes. Ah, ouais. Ça, c'est vrai que ça, en ce moment, Gérard, c'est... Voilà, exactement. Et ensuite? Alors, je te dis bon anniversaire au téléphone, comme ça, je ne me remarque pas que tu pues de la gueule. Ouais, merci. Merci, t'es sympa. C'est très gentil, Extrabal. Voilà. Merci. Extrabal. Tant oui. que nous sommes dans les cadeaux, nous avons également un auditeur. Oh là là, la radio, merci. Baisse la radio, s'il te plaît. Ah oui, ça serait... Max. Voilà. Donc, il faut qu'ils éteignent la radio s'ils sont pas cons, là-haut. Attends. Merci. Attends, c'est quoi, là? Vas-y, remets en air, et c'est bon, ça éteint la radio. Merci. Tony, normalement, était Tony, comme Arnett, avait envie de te souhaiter un bon anniversaire. Alors, ouais, bah, on est... Tony. Oui, bonsoir Gérard, ouais. J'aurais voulu te souhaiter... Attends, Tony, je pue de la gueule. Bonsoir Max aussi. Ouais, quand même. J'aurais voulu te souhaiter un bon anniversaire, mais là j'ai eu un petit contretemps, donc je pourrais pas venir te souhaiter personnellement, quoi. J'ai dégoûté un petit peu. T'entends Gérard? Ouais, je t'écoute. Gérard, faut que t'écoutes là, les cadeaux, tu verras ça après. Quand tu fais de la radio, j'avais plein de cadeaux pour toi, j'avais un Toblerone, un Becherel, un Bled. Ouais. Et donc je pourrais pas te les donner puisque je suis pas là, quoi. Tony, ouais. Gérard, bon allez, enlève-lui le carton à Gérard parce qu'il pense qu'à ça. Eh Gérard, tu penses à Tony? Ouais, mais c'est un de tes plus fidèles auditeurs. Ouais, mais j'écoute. Le problème c'est qu'il pense qu'à ça, mais il dit même pas ce qu'il découvre. Il dit même pas ce qu'on lui offre. Non, mais pour l'instant. Oui, t'as des dictionnaires, oui, t'as des Becherel, mais dis-le. Mais dis-le que t'as des. On va lui demander de lire le Becherel. Tony, ouais. Tu aurais aimé venir, je pense, qu'en Arnette. Ouais, bien sûr. Malheureusement, il n'a pas vu. Est-ce que Gérard, une fois à l'occasion, tu accepterais que Tony vienne dans les locaux ou pas? Ouais, bah, écoute, lors d'un débat. Pour un débat. Oh, c'est la fête, alors j'arrive tout de suite. Hein. Je prends le PC, j'arrive. T'en as pour combien de temps, Tony? À peu près une demi-heure. Une demi-heure? Eh ben, tu viens. Eh, hey, Tony. Ouais. Je te donne 30 secondes. Ok. Allez, c'est parti. Eh, hey, tu viens. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, attends. 23, avec moi, 22, deux. Alain, 21, 21, 20, 19, 20. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, je te présente Tony. Tony. Qui te fait chier dans les débats. Voilà. Salut Gérard. Tu vas bien, merci. Voilà, donc Tony, tu connaissais Arnett ou pas? Ouais, non. Non, vous connaissiez que de nom, que par téléphone. On se connaissait tous par téléphone. Bah voilà, maintenant je te présente Arnett. Eh ben, je remercie. Regarde les cadeaux, regarde les cadeaux. Benoît, ensuite. Hey, on y va! On y va! Gérard, décris ce que c'est, mais décris. On y va aussi? Champagne, je sais pas qui c'est qui m'a envoyé ça. Alain, c'est quoi comme champagne? Bah, tiens. Ah si, Alain, vas-y. Allez, Alain, toi, qu'est-ce que tu Non, ça. C'est quoi comme parfum, Alain?
C'est quoi comme parfum qu'on boit? C'est quoi? Moi, Gérard, je suis en attente. Hein. Non, mais ça, tu le mets de côté. En attente. Tu le mets de côté, c'est avant. Alors. Ouais, tu veux pas le lire? Alors, c'est quoi, Gérard? Décris-nous un peu ceux qui font de la radio. Pense à ceux qui font de la radio et du respect. Hé, Alain, tu veux pas le lire, la bouteille de champagne? Eh, vas-y, balance. Pourquoi? Bah, je peux pas. Bah, c'est du champagne. Parle devant le micro, parle devant le micro. Bon, c'est du champagne, à mon avis, c'est de du Vélaro. Ouais. À Pierre, Marzon, oui. Ouais, ok. Mais attends, Ils ont fait ton paquet. Pierre, pas le carton, il y en a encore. C'est pas moi qui l'ai viré, c'est toi. Ben, c'est pas moi qui l'ai viré. Ta gueule Ta gueule, Non, ta gueule, Gérard. Mais attends, ma biche. Bon, trêve de plaisanterie. Benoît, trésor de Redon. Est-ce que je peux avoir Benoît? Ils vont se taper dessus maintenant. Mais non, on va pas se taper dessus. Je crois que Gérard, en fin de compte, c'est son plus beau cadeau, c'est son plus bel anniversaire aujourd'hui. Hein, parce que alors là, ouais, les bêches, les bouquins, du Harley, je sais plus quoi. Ouais, ben. Benoît, t'es là? Benoît est avec nous. Benoît, 13 ans, qui normalement devait faire un petit mariage du siècle. Ouais, je suis là, ouais. Salut, ça va? Ouais. Bon, ça va? Ouais, Benoît. Ouais. Alors Benoît, 13 ans déjà, à cette heure-ci, est-il bien raisonnable? Bah oui, je suis en vacances moi. Bah moi aussi, ouais, je réponds oui, c'est bien raisonnable. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Gérard, sur les jeunes comme ça, qui dorment pas à cette heure-ci? Ouais, mais qui passent leur bac. Ouais, mais Gérard, je peux pas passer mon bac, hein, je suis pas encore en terminale. Ouais, mais attends, ouais, devant le micro, âge, Gérard, devant le micro. Ah, moi j'ai 13 ans. Hein? J'ai 13 ans moi. Ouais, mais t'as 13 ans, tu dois faire dodo, mon pote. Ouais, mais toi, tu fais pas dodo? Non, mais attends, moi j'ai 36 ans aujourd'hui, d'accord? Et alors, t'as pas 38 ans? Non, j'ai 36 ans. Ah bon? Bon, alors, Benoît, on va faire une chose. Parce qu'il y a, Gérard, regarde, comme tu peux le constater, il y a beaucoup de gens dans les studios qui veulent t'offrir des cadeaux. Ah ouais? Et comme tu ne te concentres pas à ce qui se passe sur l'antenne, on va enlever le colis. On regardera ça plus tard dans la nuit. Donc, François, démerdes. Tu prends le colis sur tes épaules et tu me le mets dehors. Non, tu te démerdes. Tu me prends le carton avec Alain. On va continuer. Allez, ou Olive, ouais, tiens, avec. Voilà. Non, parce que là, tu te concentres pas, Gérard. C'est pas bien. Bon, tu penses qu'à toi. Gros égoïste. Benoît, avant que tu nous fasses le mariage du siècle, il y a beaucoup de gens encore là-haut qui voudraient descendre dans les studios. Je sais pas quel est ton prénom. Je m'en fous. C'est comment ton prénom? Christophe. Christophe, il est venu avec un cadeau. Merci Christophe. Ouvre-le. Bah, c'est un gâteau. On va le manger. Il y a également d'autres auditeurs qui sont venus. Il y en a un paquet. Hein. C'est le souk. Hein. Putain, j'ai chaud. C'est comment ton nom? Fabrice. Donc, voilà. Donc, merci. C'est pas de l'alcool, là, les enfants, parce que l'autre, il est déjà pour. Je garde de côté, parce que ça, pour le moment. Non. Tout à l'heure, donne-moi ça. Non, on est là, Benoît. Hein. J'essaie de confisquer les bouteilles, parce que l'autre, il va se piquer. Non, mais après, il y a Stéphane, l'alcool, qui va aller. Et après, je me fais traiter de fils de pute et d'enculé. Tu te feras pas traiter. Tu peux dédicacer le remix, s'il te plaît. Oui, d'accord. Bah, je te fais un signe. Voilà. Voilà. Très bien, Benoît. Voilà. Le mariage du siècle, j'imagine que c'est entre Gérard et Françoise. Entre Gérard et Françoise. S'il y a d'autres personnes qui veulent venir, donc sont les bienvenus. Il est là, Olivier. Par contre, Olivier. Allô. Oui, t'es là-haut. Ouais, Olivier, t'es là-haut. On se prépare. Mais attends, mais tu me fais descendre que des mecs. Mais fais-moi descendre. J'ai dit Chut, ne crie pas. Tu choisiras. Bon, alors montre-moi. Sur la caméra. Avec Benoît, on va choisir. Fais voir, parce que là, pour l'instant. Non, c'est moi qui vais choisir, parce que si c'est toi qui choisis, Gérard, on n'est pas arrivé. Attends, pour l'instant. Voilà. Bon, Françoise, tu vas de nouveau t'installer. On va lui redonner. Françoise, installe-toi, s'il te plaît, comme tout à l'heure. Mets-toi là. Assis sur la chaise, de près de Gérard, casque sur les oreilles. Parlez devant le micro. Voilà. Tiens. Benoît, le mariage du siècle. Ouais. On y va? Ouais. Allez, vas-y, balance. Gérard, tu la trouves comment, Françoise? Pourquoi? Tu veux pas te marier avec elle? Non. Pourquoi? Vous iriez tellement bien ensemble. Mais de toute manière, moi, je me marie avec personne pour l'instant. Et à 38 ans, tu peux te marier, hein? Non, mais attends, j'ai pas 38 ans, j'ai 36 ans, d'accord? Ouais, d'accord. Déjà. Déjà, t'as 14 ans, et à 14 ans, j'ai fais dodo. J'ai 13 ans, T'as 13 ans. Et moi, je fais dodo à 13 ans. Ah bon? Bah oui, mais là, lui, il est réveillé, il est fan de Gérard, il est fan du Star System. Il vous reste se marier où, Olive? 2 secondes. Oui, Olivier. Et non, termine avec Benoît, s'il te plaît, Gérard. Donc, est-ce que tu n'acceptes, pourquoi tu n'accepterais pas de te marier avec, Mais non, mais moi. Qu'est-ce que t'en penses, Françoise? Ça va pas, j'ai Gilbert, moi. Devant le micro. Mais tu le fais cocu, J'ai Gilbert, moi. Eh ben, tu le fais cocu. Mais attends, François, j'ai Gilbert. Tu parles devant ta fille en direct, devant des millions de... Rapproche-toi un petit peu. T'as ta fille devant toi. Pour Fun TV, si vous pouviez penser pour le plan, qu'il y a également Alain qui est venu rejoindre dans les studios, donc ça serait bien de faire un plan global des trois. Il y a Alain qu'on oublie.
Alors mon pote. Merci d'avance. Oh là 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 là. Ouais, c'est bon, dehors, on se calme. Benoît. Ouais, on se calme. Apparemment, notre ami Gérard et notre ami Françoise ne souhaitent pas se marier pour l'instant ensemble. Ah, c'est dommage. Et Alain ? Ce n'est que partie remise. Et Alain, tu dis quoi, Alain, je voudrais bien que tu parles un petit peu, toi. Alors, Alain, c'est vrai, t'as un petit poème pour Gérard. Est-ce que tu veux le lire tout de suite ou tu préfères encore attendre un petit peu ? Tout à l'heure. Bah, à quelle heure ? Benoît. Non, attends, Gérard, s'il te plaît, je parle. Oui. Donc ne parle pas à chaque fois en même temps. On ne comprend rien à la radio, c'est inaudible. Benoît, tu connais Stéphane, comment on l'appelle, Stéphane l'alcoolo ? Ouais, je sais pas. Eh ben, il est là. Eh ben, on va le faire descendre. Ah, c'est génial. Stéphane. On va le faire descendre. Olivier, on peut le faire descendre ? Stéphane, est-ce que tu t'es acheté 38 bougies ? Stéphane est là. Est-ce qu'on peut Stéphane, faire... Attends, si tu peux descendre. Fais-moi un gros plan, s'il vous plaît, sur Fun TV. Et voilà. Stéphane va descendre. Avec son chapeau. Voilà. Et Stéphane aussi, j'ai un cadeau. Tu as un cadeau pour Gérard. Une nana. Ne crie pas. Oh là là. C'est Marie. Oui, qu'est-ce qu'elle a comme cadeau ? C'est Gérard. Elle a un. Elle s'appelle Marie. Voilà. Et Marie. Alors, on va les faire descendre. On peut descendre Stéphane. Alors, Stéphane et Marie. On va faire descendre Stéphane. Les nanas. Stéphane et Marie. Non, Stéphane, s'il te plaît. Pourquoi t'as peur d'Ara ? Non, mais attends. T'as peur d'Ara ? Non, mais pour l'instant, c'est Stéphane qu'on peut descendre. Surtout qu'il est tout mignon, hein. Ouais, mais en plus, il y a même. T'es lesbienne, Françoise ? Il y a même une personne qui doit mais faire non, partie. Mais non, je l'ai eu sans arrêt sur moi. Comment ça, c'est-à-dire sans arrêt sur toi ? Ça veut dire quoi, ça ? Je l'ai eu sans arrêt sur moi. Oui, c'est-à-dire ? Elle t'appelle tout le temps ? Non, la petite bestiole, d'accord, ok, très bien. Merci à Benoît, on va lui souhaiter une bonne nuit, il a 13 ans, c'est peut-être temps qu'il aille se coucher, qu'il écoute la radio Walkman. On va accueillir, qui est là depuis le plus longtemps ? Bonsoir Romain. T'es là Romain ? Ouais, je suis là. Ça va Romain, t'appelles d'où, t'as quel âge ? J'appelle de Tours, j'ai 21 ans. Ouais. On va faire un tout petit peu de place pour que les gens puissent rentrer maintenant, on va faire un petit peu de va-et-vient dans le studio pour que les gens puissent rentrer, puissent respirer un peu parce que là on commence à... Ah, t'as chaud. Avoir un petit peu chaud, quoi. Qu'on puisse respirer, parce que là, il y a encore énormément de gens qui sont Olivier. Venir. Olivier de la loco. Romain, on va accueillir Stéphane. Gérard, s'il te plaît. Gérard, tu me laisses faire, s'il te plaît, merci. Oh là 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 là. Quelle ambiance. Salut. Comme t'es beau, sans déconner. C'est quoi, Stéphane? J'aurais presque envie de t'enculer. Oh! Ouais. Après toi, Françoise. Négatif. Allez, vas-y, installe-toi. Quelle ambiance, c'est le cas de le dire, Romain. Merci. Je peux t'assurer que c'est facile. Hein. Alors. Merci, Stéphane. Mais faites un gros plan, Fun TV, sur Alain qui est là depuis tout à l'heure et qu'on ne voit pas. On l'entend même pas. Quel dommage. Alain, vas-y. Pourquoi ? Alors voilà. C'est vrai, on t'entend même pas. Stéphane, il m'a ramené. De l'eau de toilette. Voilà qui est bien dit. De l'eau de toilette avec. je vais regarder. Avec un savon. Non, c'est Lacoste. Ah ouais, un petit Lacoste. Ah, il est des beaux cadeaux. Hein. Ah ouais. Ah mais, n'ayez crainte, on n'a pas tout ouvert les cartons. Hein. Il en reste encore, donc n'ayez crainte. Voilà, merci pour Fun TV. Enfin, on voit la tête d'Alain. Et maintenant, on va voir la tête de Stéphane qui est justement à l'opposé. Enlève le casque, Stéphane, pour qu'on puisse en faire profiter tous les auditeurs de Fun TV. Regardez-moi ça. Oh là là. Stéphane. Stéphane a les cheveux plaqués, cheveux au vent, les cheveux un milliard de fois trop longs. Du parfum. Alors Romain. Ouais. C'est dommage que tu n'aies pas la télé car il est habillé sur son 31. Il est habillé magnifiquement avec bien entendu une cravate. Et tu vas regarder de nouveau la caméra de Fun TV. Tu vas regarder et tu vas leur faire un grand coco. Attention, Stéphane, avec ton micro et tu parles. Vas-y. Bonsoir à tous. C'est Stéphane de Fun Radio. Regarde la caméra. Et parle, mais sans le micro, c'est pas grave. Vas-y. Salut les amis. Salut les copines. Et pour Gérard, on est tous là pour lui souhaiter un bon anniversaire et longue vie. Merci Stéphane. Merci. Je tenais à remercier tous ceux qui étaient venus. Donc je sais que tout le monde ne pourra pas descendre. Mais je remercie tous ceux qui sont venus pour mon anniversaire.
Je sais qu'on n'a pas tous les jours 36 ans. 36 Et donc 36. Donc je remercie tous ceux qui sont venus et je remercie tous ceux qui ont envoyé des cadeaux. Donc je peux pas tout, ah, tout surtout, ouvrir. Il y a quand même surtout des bégerettes. T'as quand même pas mal de travail pour l'été. C'est quand même. On est quand même allé au niveau très élevé parce que c'est monté jusqu'au CM2 quand même. Donc, j'ai le dictionnaire de Pierre Desproges, moi, qui est pas mal. De quoi? C'est. Il a dit que t'étais un enculé. Ouais, je suis un enculeur. Toi, mon pote. Tu dégages. Stéphane, voilà. T'es venu avec des cadeaux également. Avant que Roman intervienne directement sur l'antenne, Steph, t'es venu avec le cadeau. Je pense que tu auras quand même quelque chose à dire. Si d'ailleurs tu as envie d'intervenir, tu mets ton casque sur les oreilles, tu allumes ton micro et tu fais comme si t'étais chez toi. À la seule différence que t'es chez moi. Pardon. J'ai pas voulu apporter de l'alcool. Non, mais c'est bon. C'est ça termine comme l'année dernière avec l'objet tous de se battre. Non, mais c'est après bon. L'émission. Non. Ouais, tu me traiterais d'enculé après l'émission. Non, pas comme l'année dernière. Non, j'étais dans mon état normal. Puis c'est le passé. Exactement. C'est bon, Stéphane. D'accord. D'ailleurs, il y a Maurice de Sky qui t'embrasse. Voilà. Au passage. Je l'embrasse aussi. Voilà. Ouais, bah c'est bon. On va se calmer 2 minutes et on va écouter très attentivement ce que Romain a à nous dire. On t'écoute, Romain. Ok, ben je vais commencer tout à l'heure. Donc je dis, je subis un harcèlement sexuel venant, c'est pas très drôle, mais je rigole quand même, devenant de mon, du remplaçant de mon patron. Oui. Ouais. Donc c'est assez. Non, mais attends, on n'a pas eu l'impression d'avoir déjà eu Romain tout à l'heure. Si. Ah ouais, d'accord. Donc on repasse les mêmes. Ouais. Bah non, mais je vous ai demandé qui c'est celui qui attend depuis le plus longtemps. Me dites Romain, mais Romain il a passé à l'antenne. Donc je suis venu, il est hors antenne depuis tout à l'heure. Au revoir Romain. Donc Anaïs, 22 ans, de Argenteuil, ça serait peut-être plus logique. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Bonsoir. C'était pour souhaiter un bon anniversaire à Gérard. Bah il est là. Passer un bonsoir à tout le monde. Voilà, ouais. Peut-être que Françoise. Mais Françoise, mets le casque sur les oreilles. Allez, punaise. C'est dingue. T'as peur? Miaou. Oh, quoi? Mais attends. Ça sent déconner. Et quand. Gérard. Si couche ton film à mon avis. Gérard, tu pourrais être attentif parce que Anaïs te connaît et tu la connais. Voilà. Anaïs. Ça s'est passé dans les chiottes de la loco. Anaïs. Anaïs, on t'écoute. Bah disons que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, Gérard. On va dire que ça a dû être au début où tu passais sur Fun Radio, certainement, peut-être un peu plus. Je suis passée donc sur Fun Radio, on a discuté. Mm-hmm. Et un soir, j'ai fait de la cibi, j'ai rencontré un de tes amis. Mm-hmm. Et qui nous a invités à te passer te voir et tu nous as invités à boire un café. J'étais moi-même avec des amis. Attends. Anaïs, sans indiscrétion. Tu peux me donner la personne qui t'a dit qui avec qui je t'ai invité à boire un café? La personne avec qui nous a ouais. qui est, avec qui on est venu, ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Mais moi j'étais avec il y avait Claudia. Ouais. Et qu'est-ce qu'il t'a proposé? Il y a eu des avances? Il t'a fait des avances, Gérard? Ah non, pas du tout. Il a été très très gentil, hein. Très très gentil. Oh là. Vous avez fait des cartes postales. Je crois que radio. Je veux bien croire que Gérard. Non, attends, Anaïs. Anaïs. Ouais. J'ai jamais proposé une signature avec mes cartes postales. Oh, non, tu m'as fait voir des cartes postales de Fun Radio. Et même ouais. si tu te souviens bien, Anaïs n'est pas mon vrai prénom. Ouais, mais c'est comment ton prénom? C'est Ludivine. Ludivine. Ouh là là, Ludivine. Attends-toi, Ludivine. Attends-toi, ma Ludivine. Dis donc, c'est pas toi qui... T'habites où exactement? J'ai déménagé maintenant. Dans ton lit, elle habite. J'étais en Argenteuil, mais j'étais à Agnières. Ouais. Ah, ok. C'est pour ça que j'attends toujours tes nouvelles. Pourquoi t'étais censé lui donner de tes nouvelles? Ouais. Non, mais j'ai dû déménager. Il y a eu pas mal de. Moi, ouais. Qu'est-ce que tu tenais à dire particulièrement à Gérard avant qu'on passe à autre chose? Parce que c'est pas que c'est inintéressant, mais c'est tout comme. Ouais. Bah, c'était surtout pour lui souhaiter un bon anniversaire. Ouais, et, merci. Bah, fais-le. Est-ce que tu pourrais nous le faire en allemand? En allemand? Par exemple. Quand Gérard se fout à poil. En allemand. Gérard, montre-nous ton torse un petit peu. Excuse-nous Anaïs, mais là il nous montre son... Montre ton torse. Montre ton corps. Montre ton corps. Ah, vous voulez voir mon corps? Allez, Gérard. Oh là là, attention. Ah, vous le voyez. En plus, avec des coups de soleil. Ah bah ouais. Allez, attends. Ah, Françoise, maintenant. Non, mais on aura des problèmes après avec la télé, avec le CSA. Après, tu te fous à poil, hein, Steph, hein. Elle part tout général après. Hein.
Oh là là. Ça te dirait pas, Steph? Non. Bon, quelque chose à rajouter, Anaïs? Non, ben c'était surtout pour lui souhaiter un bon anniversaire. Bah, c'est dommage qu'en le connaissant si bien que ça et en habitant juste à côté de la radio, que tu sois pas venu lui dire en direct, enfin ouais. Directement dans les locaux. Bah, c'est vrai. En plus, j'y ai pas pensé, mais qu'est-ce que vous êtes coincé. Vous avez peur de quoi avec moi? De beaucoup de choses. Déjà, t'as du monde derrière toi. Déjà de la transpiration. Pour commencer, Gérard. Ce dont on a peur de Gérard en tout premier lieu, c'est de la transpi. Et maintenant qu'il a enlevé son t-shirt, je peux vous assurer que ça va sointer dans le studio, mais d'une manière assez violente. Comme dirait l'autre, ça sent pas. Quel bon t-shirt! Gérard vient de s'essuyer les aisselles avec son t-shirt. Il va mettre de l'Antarctique! Ben, c'est pas de la bombe. Allez, vas-y, montre-nous sur Fun TV comment tu mets du parfum. C'est pas de la bombe. Ah, vas-y. Allez, alors, hop, attends, faites un gros plan. Enlève la. Oh, Gérard! Oh, j'y crois pas. Allez! J'en veux un peu, là! Merde, pitié! Voilà! Putain, ça pique en plus. Je suis rasé, ça me pique. Oh, la gueule que t'as, mais sans déconner. Oh là là. Ça sent bon, hein? Comme dit l'autre. Ça sent bon. Ah, ouais, ça pue pas la merde. Anaïs, il s'est mis la moitié de la bouteille. Et de l'Antarctique, crois-moi, dans 5 minutes, on va sentir notre douleur. Merci, non mais, merci Anaïs. T'inquiète pas, t'as pas de déodorant encore. Je suis asphyxié, excusez-moi. Non mais c'est vrai que là, ça sent Gérard, c'est intenable. Ça sent pas très bien. Oh, ben, c'est bon. Hein. Bon, on va faire une deuxième pause avant d'accueillir de nouveau Cédric de Neuilly qui voudrait donc parler à GG. Il y a également Arnaud, 26 ans de Paris, qui voulait parler d'Europe 1. Non, mais attends. En plus, c'est mecs, Attends. Attends, les gens d'Europe 1, ceux qui veulent me dire, ouais, je passe sur Europe 1 et RTL, c'est pas la peine. Vous avez dit non. Là, on les passe pas. C'est quelqu'un qui travaille chez Europe 1. Non, mais je m'en fous. Non, on s'en branle, on veut pas. J'en veux pas. Parce qu'il y a un mec de Sky aussi qui voulait te. Non, mais j'en veux pas. Te remercier. Ah, Boris. Ouais. Il paraît qu'il y a Boris de Sky qui va appeler Florent. Ouais, il y a Boris de Skyrock. Ouais, on peut laisser passer. Et attends, tu fais quoi là avec tes bêtes, Gérard, c'est pas que ça pue, mais ne bouge pas parce que quand tu fais un mouvement, je te jure, le pauvre Alain, il est complètement asphyxié. Françoise ne sent plus rien, elle est complètement paumée. Non, mais ça, c'est un problème. C'est comme ça, Gérard. Attends, moi j'aurais posé une question à Gérard. Prends la bouteille de parfum là. Prends la, ouais. Non, celle que tu viens de te mettre. Et lis ce qu'il y a écrit dessus. Antarctique après rasage. C'est bien ce que je me disais. Je suis rasé. Ouais, mais attends, l'après rasage, ça se met sur la tronche, Gérard. On se calme. Gérard met de l'après rasage sous les aisselles et non pas sur le visage. Très non, bien. Bah, de toute manière, je vais monter voir un peu les gens. Non, tu restes là parce qu'ils descendent au fur et à mesure. Les gens, ils sont en face de toi, ils sont devant toi. Non, tu restes là. S'il te plaît, on va aller te le chercher. J'ai besoin de toi. Merci. Ouais. On va venir dans un instant pour la suite de la Radio Libre avec l'anniversaire de Gérard et on exclut bien entendu sur Fun TV toutes les images de ce qui se passe dans le studio. Si vous voulez nous appeler 0870 5000, 0803 08 5000 et Minitel 3615, code Fun Radio, rubrique direct. On vous a dit qu'on allait vous diffuser beaucoup d'extraits de rediffusion, en tous les cas, des meilleurs moments des débats de GG. GG, est-ce que tu te souviens d'un débat, que c'est justement parce qu'on a parlé de la virginité tout à l'heure avec deux fils, que tu te souviens du débat de la virginité? Voilà, ça fait tellement longtemps que j'ai fait les débats, je m'en souviens plus. Bon, normalement, si tout se passe bien, il devrait y avoir Tony Arnett ou David qui devraient intervenir dans ce débat. Ce qu'on passera juste après, c'est un autre cadeau. Oh ben, là maintenant tu fais ce que tu veux. C'est un remix. Ah ben, là je te le fais bien exceptionnellement. Le jour de mon anniversaire. Tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc mettez les cassettes, faites des pirates. Pas du piratage. Donc l'ultimatum sinon? Ah ben non, il n'y a pas d'ultimatum. Pas ce soir. Non. Bon, très bien, ça met ça pue ton parfum, c'est hallucinant. Un petit résumé en 6 minutes 30 du débat sur la virginité. Ensuite un remix exclusif, jamais entendu, puisqu'il a été fait par Steph d'Enovergy. Et c'est la première fois qu'on l'écoute ce soir. Et on se retrouve juste après pour la suite de la Radio Libre. À tout de suite. Donc on va commencer. Ok, on y va. Donc sur la virginité, pourquoi? Donc voilà. Donc Gérard, tu nous fais quoi là? Non mais demain on fera un temps, aussi on fera débat sur la météo. Demain il fera beau. Pourquoi? Pourquoi attendre pour avoir une relation? Mais tu sais, pour moi aussi c'est important la virgin. C'est pas ça. Pour ça c'est Hugo là? Non, c'est Luigi. La virgin c'est important parce que c'est là-bas que je vais acheter mes CD. Donc c'est. Non mais je veux pas le rapport. Hein. Bon David. Oui Gérard. Ta réaction là-dessus sur la première question? Je suis d'accord avec toi, Gérard.
Moi, ça, de toute manière, je sais que tu seras toujours d'accord avec moi. Et puis après, tu vas me dire ton débat, c'était de la merde. Ok, c'est bon. Bonne nuit. C'est bon, Arnette. Ouais, ben moi, je vais dire que. Alors, qu'en fait, la virginité, faut la dépuceler, quoi. Ok. Voilà. Ça c'est intelligent. Non, c'est sympa quand même, non C'est bien ça. Hugolin. Belle conception de la vie. Alors, moi j'ai perdu ma virginité, mais je l'ai jamais retrouvé. Ça, je l'ai cherché partout. Sandra, oui. Il y a une question. Il y a une question que. Qui me vient en tête, t'as 19 ans. Oui. Est-ce que t'as déjà eu des flirts? Des flirts ou oui, même des relations? Oui. Mais flirts, quoi, juste une pelle ou flirts poussés, caresses, etc. Oui, bah oui, quand même, oui. Flirts poussés, ouais. Quoi. Ah ouais, les flirts. Cunilingus. Bon, c'est bon, Jessica, tu as pas me clarifier mon orthographe, je te remercie. Sors ta langue. Quand j'y pense, je regrette. C'est vrai, pourquoi ça s'est mal passé? Pourquoi tu regrettes, Nathalie? Pourquoi c'est Gérard qui t'a baisé? Non. Alors là, attention. Pas mal. Stop. Là, je préviens d'une chose. Il y a un truc que je veux dire entre David, Arnette et Luigi, comme il nous reste plus que les trois garçons. Merci pour le bruit que je reçois. Alors je préviens entre David et Arnette et Luigi. Ouais, ouais. Ne me mettez pas en jeu, ok? C'est pareil pour moi, ne me mettez pas en jeu, j'ai rien dit. Ouais. Ouais, mais je veux pas le savoir, toi, Arnette. Gérard. Faut bien que je vous mette. Gérard, ils sont obligés de te mettre en jeu puisque toi, tu nous dis rien. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Si on n'a pas de copine, autant se taper la veuve poignée. Comme ça fait de mal à personne. Voilà, vous avez mon point de vue. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a quelqu'un sur Intel qui est vierge à 21 ans qui demande si ça t'intéresse, Gérard. C'est qui? C'est un mec ou une nana? Il s'appelle Tony. Ah, d'accord. Non, c'est bon. Non, mais est-ce qu'une nana t'a déjà dépucelé? Ah ben ça, Jessica, c'est une question... Non, c'est une question que tu poses à tout le monde, tu peux y répondre. Ma première fois, c'était à 11 ans. Ah. Non, mais ça, c'est la première fois que t'as flirt, roulé une pelle. Mais première fois... T'as couché avec une nana. Tac, là, ouais. Ben, un an après. 12 ans. À 2 ans. Tu parles à 2 ans, elle devait faire 3 cm. Et ça s'est passé comment, alors? T'as été voir. Une bonne expérience. Et alors, genre, avec une poule, avec une chèvre... Raconte-nous la semaine dernière comment c'était la première fois. Non, Gégé, la première fois. La vraie première fois. La première fois, c'était à 12 ans et c'était dans un bois. D'accord. Sans mentir. Elle est ferme. Oh, ben, elle est ferme avec les fouilles. Faut que t'arrêtes de mater des films de boules, sérieux, quoi. Elle a 12 ans, mais il était précoce, ça. C'est vachement tôt, là. Gégé, faut pas nous prendre pour des bœufs, hein. Non, mais c'est bon, quand tout le monde aura terminé de parler, puis que... Gégé, bon, après, donc ça s'est passé la première fois à 12 ans, et après, est-ce que ça s'est reproduit ou juste une fois? Non, 24 ans. Juste une fois, donc. La première fois avec une femme. Alors, avec un on récapitule, Gégé n'a eu qu'une seule expérience sexuelle, hein, c'est bien ça, je me trompe pas, à 12 ans. Avec et depuis, ben, niette, hein, depuis branlette. Moi, il y a une question que j'ai demandé à Stéphanie, à Nathalie, à Sandra et à Linda et puis à Evelyne. Quand vous avez vos règles, ça c'est une question qui me vient à la tête parce que sans arrêt j'entends sur l'antenne. C'est bien au pied, c'est pas cool. Vas-y. J'en entends sans arrêt parler. J'aurais voulu savoir, moi, vis-à-vis des nanas, quand vous avez vos règles, même on peut me répondre s'il y en a. Oui. Moi je voudrais savoir, vis-à-vis des nanas, quand vous avez vos règles. Est-ce que c'est un double décimètre? Vis-à-vis des nanas. Bon, allez, GG. Bon, il y a une question. Vas-y. Non, mais quand tu l'auras fini de me couper la parole, je finirai. Bon, vas-y, finis. J'aurais voulu savoir quand vous avez vos règles. Oui, ça, on sait. Est-ce que. Pourquoi? C'est bon, je pose pas ma question. Allez, hop, c'est bon. Je ne pose pas de question. Moi, Gérard, j'ai une question. C'est bon. Bah, moi, je veux dire, j'étais puceau parce que je me suis jamais fait enculer, hein. Ouais. Je pense que c'est clair pour beaucoup de garçons. Ouais. Et que j'aimerais bien que Gérard me fasse ta grosse dans le. Sébastien, tu peux faire une chose, tu vas pas. Non, Sébastien. 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 Tu repasses au standard.
Sébastien. Gérard. Sébastien. Gérard. Sébastien. Gérard. Tu peux le passer en passant son nom. David, Sébastien, tu fais une chose, tu retournes au standard, on te donne l'adresse du bois de Boulogne, voilà. Tu iras retrouver Gérard et comme ça, ça sera mieux. C'est même pas la peine. Moi, j'aurais déjà depuis le puceau parce que si j'avais connu Gérard avant, j'aurais. C'est bon, allez, va te coucher. C'est bon, j'ai pas fini, Gérard. C'est bon. Des conneries. À chaque fois, tu me les balances. À chaque fois, ton débat, tu dis ouais, c'est de la merde et j'aurais bien voulu. Alors, c'est bon, tu vas te coucher. Comment tu paries que je vais finir, David? Vas-y, David. Personnellement, moi, j'ai toujours dit, ça je le dirai sur tous mes débats, c'est prenez vos précautions avant. Voilà. Gérard, mon star system, c'est ça. Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Je préviens ce soir, si j'entends encore une fois
entendre le mot Gérard, c'est simple, c'est clair et net. Comme à limite, j'arrête tout. Point final à la ligne. Waouh, ça c'était beau, ça, remix exclusif de Gérard que nous remettrons bien entendu pour conclure cette nuit anniversaire spéciale retransmis en direct sur Fun TV. Happy House anniversaire Miss Françoise, vous la voyez en ce moment sur Fun TV. Françoise, tout va bien? Bien sûr, tout va bien. Allume ton micro, mon amour. Ouais. Vas-y. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alain, est-ce qu'on peut faire un petit plan sur Alain, si c'est faisable, sur Fun TV, pour qu'on puisse un peu prendre la température de notre ami Alain, qui n'a toujours rien dit? Non, non. Alain, tout va bien? Bah. Voilà, hop. Alain, comment ça va? Qu'il est bête, ouais. Alain, ça va bien? Ouais. Bon, très bien. Et de l'autre côté, maintenant, Fun TV, attention, vite, on va aller voir Stéphane. On va aller voir notre Stéphane national qui a envie de vous faire une belle grimace. Fun TV, quand vous voulez, vous vous réveillez, on y va. Bon, c'est trop tard. Merci, Fun TV. On va accueillir Cédric, 15 ans, non, de Neuilly. On l'a déjà pris. Salut Cédric, ça va? Salut Max, ça va? Ça va? T'as pas encore parlé Cédric? Non. Bon d'accord. Alain, regarde. Regarde sur le... Alors je crois qu'on a une petite surprise Cédric, je crois que tu vas pouvoir te joindre à nous et tous ceux qui sont dans les studios bien entendu vont chanter en chœur ce qu'il se doit pour un anniversaire. Are you ready? Non, you are not ready. Ready. Prêt? Non, pas prêt? Cédric, sinon ça va? Ouais, ça va, ouais. Prêt, ouais. Tu fais quoi dans la vie? Je suis quoi dans la vie? J'étudie. Hein? J'étudie. Chef de chantier? Ouais. Directeur général? Non, chef de chantier. Chef de chantier, d'accord. Comme moi ce soir, quoi. Voilà. C'est pareil. Je crois que je suis plus chef de chantier qu'animateur radio. Hein. Ouais. C'est bon? Ouais. On appuie une fois sec. Une fois, voilà, hop, une sur l'autre maintenant, hop, de l'autre côté, hop. Merci. Ah bah mais il y a des cas. Alors est-ce que Fun TV, on peut éteindre les lumières? Attendez, c'est Fun TV. Merci, attention, on y va. Le gâteau va arriver, rassurez-vous, Fun TV. Joyeux anniversaire. Vous chantez ou quoi? Joyeux anniversaire. On a un public. Merci. 1, 2, 3. Yeah. Voilà, Cédric, il souffle bien, c'est 38 bougies quand même. Compte les bougies, Cédric. Je sais pas compter. Alors, Gérard, Gérard, il y a 38 bougies. Non, 36. Non, bah compte. Enlève les. Non, mais j'ai pas m'usé. Bon, Cédric. Donc, merci à. Alors, tous ceux. Écoutez, discours. Donc, y a peut-être merci un petit... à tous ceux qui m'ont bien aidé durant 2 ans. C'est-à-dire, merci à Max. Florent, Julie, merci à Karine. Par souvenir, quand même, il y avait quand même Raphaëlla à l'époque, tu te souviens quand même. Ouais, mais elle n'est pas là. Ouais, mais enfin bon, tu peux penser à elle quand même. Ouais, mais je pense à elle. Je pense à elle aussi. Merci à Karine qui est là, si des fois elle pouvait se mettre dire à poil. Un petit mot. À côté de toi. Parce qu'elle était au standard quand ça c'est s'est vrai, passé. C'est vrai. Donc merci. Merci à Macaille et à Montgoy. Laurent, je m'appelle. À Macaille et à. Montgoy. Et à Montgoy. Ouais. Donc je vous remercie à tous. Donc je remercie aussi Olivier de. De la loco. Quand même, grâce à lui, tu peux te faire sodomiser dans les chiottes. Non, mais c'est bon. Merci aussi à Olivier de la pro. Donc merci à tous les gens de Fun Radio qui sont derrière. Tu prends pas pour une star, Gérard. Ouais, c'est bon, tu te tais. Mais attends, déjà tu as commencé par terre, c'est pas ta gueule, d'accord? Ok. Donc merci à Alain, merci à Françoise, merci à Stéphane, merci à sa fille d'être là. Donc merci avec qui tu vas finir la nuit? Non mais merci à tous les gens qui sont venus devant la radio. Et Arnett, Luigi qui devrait peut-être... Ouais mais il y a d'autres personnes. Il y a David. Il y a d'autres personnes qui sont Tony, dans ton bureau. Luigi. Il y a Agnès. Voilà. Si des fois elle pouvait venir. Ouais. Vanina et Emmanuel. Voilà. Si des fois elle pouvait venir. Et maintenant si on pouvait faire venir enfin des top modèles, ça serait bien. Hein. Si ça pouvait... C'est vrai qu'en regardant Fun TV ça fait peur. On se dit tiens on est plutôt dans le zoo de Vincennes que sur Fun TV. Mais, ouais, mais vous êtes bien Neuilly, c'est le zoo de Neuilly ce soir. Hein. Si Agnès, Vanina et Emmanuel pouvaient rentrer dans les studios après. Non mais ça me ferait plaisir comme ça. J'aurai toutes les auditrices qui seront là. Venez s'il vous plaît là. On va les faire Agnès. Venir. On va les faire venir. Agnès, te plante pas derrière les autres. Vanina et Emmanuel. Alors c'est vas-y, pareil. Allez fais les venir. Rentrez. Allez vas-y. Rentrez. Allez rentrez là. Cédric.
Vanilla. Oui. C'est bon, Gérard. Cédric. Oui. Tu voulais parler à Gérard. Est-ce que Gérard, tu peux te concentrer et écouter Gérard. Oui. Tu peux écouter Cédric maintenant. Ouais, on fait ouais, de la radio. J'écoute. On y va. Mais par contre, s'il y a quelqu'un derrière. Deux secondes, je voudrais parler. Ouais, bah, je t'écoute, mais si t'as quelqu'un derrière toi, c'est pas la peine. Quelqu'un derrière moi. Je suis en train de sodomiser. Je suis derrière lui, là. Ouais, bah alors dans ce cas-là, je vais pas rester longtemps avec toi. Hein. Pourquoi? Alors vas-y. T'es pas pédé, toi? Non. Ah bon, ouais, pas du tout. Alors, dépêche-toi, vas-y. Cédric, vas-y, balance, dis ce que t'as à dire. Non, Gérard, t'es bien gentil 5 minutes, mais toute la soirée, c'est un peu lourd, non? Non, mais attends, là, dans ce cas-là, tu dis ça à Max. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui a organisé la soirée, c'est Max. Bah ouais, mais t'es là quand même pour ton anniversaire, et puis ça fait déjà depuis un certain temps, et puis là, il y en a marre, quoi, non? Non, mais dans ce cas-là, si ça te plaît pas, mon pote, tu changes de fréquence. Bah oui, mais moi, je t'écoute, j'écoute toujours Fun Radio, parce que c'est vachement cool, mais quand t'es là, c'est lourd. Eh ben, dans ce cas-là, si je suis lourd, eh ben, tu vas ailleurs. Je vais où, alors? Ben, tu vas sur RTL ou sur Europe 1. Non, tu vas déjà sur Europe 1. Hein, d'accord? Tu changes de... Non, mais tu changes de fréquence, d'accord? Ok. D'accord? Non. Bon, bah alors, dans ce cas-là, bonne nuit à vous. Attends. Allez, on prend quelqu'un d'autre derrière. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas écouté. Non, mais de toute manière, il veut que j'arrête. Ça, il y aura le débat de jeudi soir où ça sera un débat sur toi, où justement, voilà. Il y aura une question entre autres, c'est Gérard, doit-il ou ne doit-il pas arrêter la radio? Voilà. Il doit pas rester, moi, je dis. Cédric. Eh ben, dans ces cas-là, si tu veux pas que je reste, ben, dans ces cas-là, tu le dis tout de suite. Moi, jeudi, il n'y a pas de débat. D'accord, clair et net. Ah non, pas d'ultimatum, ouais, ah non. Connard! Alors, toi, connard, toi, tu. M'attends! Là vous repassez au standard. C'est bon le mot connard. Vous y allez. Allez hop. Bonne nuit. Allez bonne nuit. Bonne nuit à toi. Ça t'apprendra à dire le mot connard. C'est bien, tu l'as cassé, c'est bien. Arnaud, 26 ans de Paris. Bonsoir Arnaud. Salut. T'es là Arnaud? Ouais. Are you ready? Ouais. Alors, ok, c'est parti alors. Alors il dit Gérard dit qu'il n'a pas eu de rencard avec Europe 1. Alors il ment parce que je vais dire pourquoi. Mm-hmm. Parce que moi je travaille Europe 1. Mm-hmm. Et je suis donc je suis un peu de garde du corps et je fais un petit peu d'accueil. Ouais. Et c'est moi qui l'ai emmené le 12 juin. Ouais. À 10h30 voir monsieur Briançon qui est un recruteur. Ouais. Et il est venu avec monsieur Lambert. Ouais, ben alors je veux dire le 12 juin. Ouais. Je veux dire une chose, j'étais pas là. Ouais, bah, j'étais avec Henri, d'accord? Ouais. Bah c'est ce que tu dis hein. Ouais non mais Henri c'est dommage qu'il soit pas là. Ah, bah oui. Ben c'est Henri, il pourrait être confirmé comme quoi j'étais avec lui, d'accord? Ben moi, je peux te dire que je t'ai emmené le 12 juin voir M. Briançon. Ouais. Et tu es venu avec M. Lambert, qui est un recruteur. Ouais, et c'est ça. Eh ben, dans ce cas-là, mon pote, tu fais une chose. Ouais. Ouais. Tu te mets les doigts dans le nez. Ah non, mais je ne me mets pas les doigts dans le nez. Mais... Donc, vous proposez quoi, Gérard, éventuellement? Qu'il vienne travailler pour Europe 1 ou... Non, mais moi je travaille Europe 1. Moi, oui. je suis garde du corps et je suis en même temps, je fais l'accueil. Hein. Ouais. Et donc, il dit qu'il n'a pas eu de rencard avec Europe 1. Moi, je dis ouais. Oui. Ouais. Françoise, oui, t'as déjà entendu Gérard sur Europe 1 ou pas? Parce que Non, mais attends. J'ai jamais entendu. jamais entendu Gérard sur Europe 1. Non, mais ils ont proposé de le recruter. Non, attends, Arnaud. Arnaud, t'es bien gentil. Non, mais là, tes conneries, tu vois, je m'en dispense. Non, mais attends, je vais te dire un truc. Ne dis pas que c'est pas vrai, c'est moi qui t'ai emmené chez M. Briançon. Non, dans ce cas-là, mon petit... T'es pas venu le 12 juin. Non. T'es pas venu le 12 juin. Non. Il me semble que si, quelqu'un t'a reconnu en tout cas. Hein. Mais écoutez, bon, moi je peux te dire que je t'ai vu. Ouais. Stéphane, t'as déjà entendu Gérard sur Europe 1? Ouais, j'ai entendu un Gérard, mais c'est pas la même voix. Ah ouais, mais parce qu'il avait camouflé sa voix pour pas qu'on le reconnaisse, mais si ça se trouve c'était peut-être bien le vrai Gérard, Stéphane. Non, j'ai fait confiance à Gérard. On est gentil, là on se calme. Non, mais attends. Là c'est pas pour faire. Non, mais attends. Moi je suis gentil. Oui. Là c'est pas pour s'amuser à dire des conneries. Là c'est pour mon anniversaire, ok? Bon, mais t'es pas nul le 12 juin à Europe 1. Non. Alors allez, dans ces cas-là, si c'est une connerie comme ça, tu restes chez toi, ok? Bonne nuit et à la prochaine. Allez hop! Allez, dégage! Au suivant! Allez, c'est bon! C'est bon, tu vas te coucher. Allez, c'est bon, on va accueillir je sais plus lequel des trois attend depuis le plus longtemps. Sylvain, Adriano, bonsoir Adriano, 16 ans. Y a pas une seule nana. Mais t'as vu comment tu pues la transpi et comment tu veux qu'il y ait une nana qui a envie de toi, Gérard? Faut pas rêver, y a que des mecs. Adriano, bonsoir. Mais Gérard, je vais te décevoir. T'as jamais attiré des nanas, Gérard, hein? Bah attends, t'as vu le nombre de nanas là? Elles viennent pas pour te voir, elles viennent pour voir Stéphane. Ben non, mais là j'ai mon chauffeur qui est là. Ouais.
Oui, on est là, Adriano, mais c'est, allez, c'est bon, t'inquiète pas, t'inquiète. Caméra, alors, Adriano, 16 ans de Nancy, qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, j'ai préparé une super recette, ouais, spéciale pour l'anniversaire de Gérard. Alors, ouais, vas-y. Alors, c'est clair, ça s'appelle Gérard Flambé. Gérard quoi? Okay. Gérard quoi? Flambé. Gérard Flambé, ok. Alors, cuisson 36 ans, pour 1 million d'auditeurs, ok? Ouais. Alors, ingrédients, 1 kg de tact, 200 g de finesse, ouais, 2 kg de grossièreté. On les trouvera jamais, les 200 g de finesse. Hein. 6 kg de prime, 5 g d'intelligence et 1 g d'orthographe. Ce soir, j'ai plus que 6 kg de prime à t'offrir, j'en ai au moins une tonne. Hein. Poème à volonté et humour sans modération, ok? Voilà. Ouais, d'accord. Et rallongé au bled, hein, s'il y a des problèmes. Et c'est bon à manger, cette saloperie? Faut goûter, hein. Ah, faut goûter. Mais t'as déjà goûté ou pas? J'ai pas encore essayé, hein. Alors, tu ferais mieux d'essayer, d'accord? Profitons que tu parles justement de poème et donc de Gérard. Est-ce que Gérard, tu pourrais nous faire enfin un petit poème, ou est-ce que Alain se prêterait au jeu de nous dire son poème? Alain, j'ai entendu dans la scène. De toute façon, il faudrait peut-être qu'il y ait un petit peu de moment dans le studio pour Alain pour qu'il puisse le lire, car je sais qu'il n'aura jamais le faire avec le monde qu'il y a autour. Donc ensuite, je sais qu'Alain. Pour qu'Alain puisse le faire, c'est clair qu'il va falloir qu'on reste vraiment en comité très réduit. Mais Gérard, puisque tu rigoles si bêtement, tu vas pouvoir. Un petit poème. Et tu vas chercher la mallette. Allez, la mallette. Et après, on va faire un petit peu de place pour que Alain puisse lire son poème. Donc il va falloir sortir du studio. Non, mais moi. Merci. Il y en a un qui comprend. Pour que Alain puisse faire son petit poème. Parce que je sais qu'Alain a envie de le faire. Mais qu'il n'y arrivera pas avec tous les gens. Et après, vous revenez. Voilà, on va faire un petit peu de place. T'es prêt, Alain? Oui. Ça va être prêt. Donc voilà, on va se préparer. On va le laisser un petit peu tout seul. Karine, des filles. Elle va te chercher. Si, comme t'as amené le gâteau, tu le coupes maintenant. Non, mais tu le sers à tout le monde qui est là. Après le poème. Alors. Dans ce cas-là, je monte avec Agnès. Je monte avec Alain, soit tout seul. Hop, vous sortez tous, merci. Pour que Alain soit tout seul, je sais. Non, mais tu restes là, toi. Non, je monte avec Agnès. Pour faire quoi? Chercher. Ta mallette, elle va la chercher, la mallette. Ouais. Y a pas besoin de monter. Et le poème, quand même, que Alain va te faire, c'est pour toi. Donc, Adriano. Ouais. Tu es prêt? Attends, j'ai pas encore. Ah, t'as pas terminé? Ouais. Excuse-nous, vas-y, continue. Non, il fallait juste couper le tact en petits dés, quoi. Et puis faire un mélange homogène avec la finesse et la grossièreté. Alors, vas-y. Et ajouter le tact et faire bouillir à partir de minuit, ok? Gérard ne comprend rien de ce que tu dis. Et puis après, il faut peler l'intelligence, la couper en morceaux et laisser mijoter. Mmh. Après, on vérifie l'assaisonnement vers 2h du mat. Mmh. Et après, on déguste avec modération le Gérard Flambé. D'accord. Gérard Flambé, c'est un aphrodisiaque. Dans ce cas-là, mon pote, ouais, comme t'as du monde derrière toi, tu vas retourner chez toi parce que ton truc, c'est de la merde. Quoi? C'est de la merde parce que t'avais du monde derrière toi, d'accord? Et pourquoi? On n'a pas le droit. Non, mais de toute manière, quand vous passez à la radio, le jour de mon anniversaire, radio, mais on n'a pas la radio. De toute manière, quand vous appelez au standard, voilà, c'est une personne à la fois. Voilà. Donc si ton copain veut appeler, il rappelle. Voilà. Ok, alors bonne nuit à toi. Non, reste avec nous, Adriano. Hop. Ok. Est-ce qu'on pourrait me donner la caméra manuelle pour que je puisse sur Fun TV? Voilà, merci. Donc maintenant, Alain va nous faire donc le fameux, va nous lire le fameux poème. Voilà. Attends, on peut voir. Alors, j'espère qu'Alain, tu vas l'écouter très attentivement. Moi, ouais, mais t'inquiète pas. Ouais. Alors, parce que quand même, Alain, elle a fait un effort, c'est très bien. Moi, ouais, mais je sais. Chut, alors, attention. Allez, Alain. Hey, mets bien ton micro devant ta bouche. Je sais. Oh là là là. Allez. Il va y arriver. Alain, ça me ferait trop plaisir. Ça ferait trop plaisir. Vas-y. Allez, Alain, pour mes 36 ans. Chut, allez. Si tu y arrives, si tu n'y arrives pas, le fera plus tard. Non, je peux pas. Si, allez. Non, je peux pas. Tu peux pas? Non. Tu veux qu'on le passe un peu plus tard avant la fin de l'émission? Ou alors, même pas. Tu n'y arriveras pas? Non, je peux pas. Tu es trop stressé? Tu veux que je passe à ta place? Voilà. Non. Alain, tout à l'heure, m'a donné un petit papier et m'a dit si je suis trop stressé, appelle un de ces numéros, ça va me déstresser. C'est vrai? C'est ce qu'il fait toujours, il m'a dit. C'est vrai? Ouais, il m'a dit qu'à chaque fois qu'il était stressé, il appelait ces numéros-là. Alors, est-ce que Gérard pourrait lire quand même le poème qui t'était normalement destiné, que Alain aurait dû lire? Dessus, c'est marqué l'espoir qu'il n'est pas tout seul. Voilà, l'espoir qu'il n'est pas tout seul. Bon. Bravo! Donc, merci à toi, Alain. T'as l'air fatigué, Françoise. Merci, Alain. Merci d'être venu. Non, j'écoute. Merci. Allez, au revoir. Je te remercie. N'oublie pas, j'ai un coup de gueule à donner. Non, mais attends, Françoise.
Les coups de gueule, tu es prêt Alors attendez, parce que il y a Alain qui finit. Alors, il m'offre Des trucs. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, une boule. Donc je vais quand même dire merci à Alain. Donc bon bah il y a un stylo, il y a une carte. Voilà. Donc je vais quand même lire la carte. Comme ça tout le monde va l'entendre sur l'antenne. Gérard, on peut toujours te faire ce qu'on n'est pas obligé de dire. Signé Alain. Donc je te remercie Alain. Voilà. Donc après il y a un bouquin sur Magnifica. Alors ça je sais pas ce que c'est. Tu mets si c'est un bouquin sur la messe. Non c'est bon, je vais pas à l'église. Mais parle Alain. Non mais je vais pas à l'église. Parle Alain, dis, profite le micro. C'est quoi alors? Qu'est-ce que tu... c'est pour ouais. Faire non c'est pour faire des, pour faire des prières. Voilà, voilà, et tout. Génial. Donc, c'est bon. Gérard, lis-nous un petit extrait donc de ce donc, livre. Lis-nous un petit extrait de ce livre. Non, mais en deux mots. Un petit extrait. Non, mais attends, je vais finir avec les cadeaux qui m'ont offert, Alain. Allez, vas-y. Quelle est la différence donc, apparemment, c'est un livre avec 400 questions et réponses. Ouais. Donc, j'ai aussi un livre de Jean-Pierre Imbache et. Ouais. Maurice Favière. Voilà, très bien. Donc c'est 366 histoires drôles. Passe le livre ici. Donc ça c'est ça. Est-ce qu'on peut prendre la caméra qui est de la mienne, toujours la caméra devant? Ouais, voilà, si des fois on pouvait, voilà. Voilà. Et après vous avez une cassette. La cassette, donc cassette vidéo, donc je pourrais pas la regarder, parce que j'ai pas le magnétoscope. Ah, c'est celui qui a joué dans... Bruce Lee. Opération Dragon. Ouais. Voilà. Voilà, très bien. Et maintenant, comme me le disaient Julie et Florent, apparemment pour que Alain déstresse et ne bégaye plus, il fait comme Gérard, il compose des numéros de cul. Et Alain est venu avec une feuille et des numéros de cul. Et c'est donc... C'est donc Gérard qui va se prêter à un jeu avec Françoise, toutes les deux, mademoiselles. C'est quoi encore? Alors, toutes les deux, mademoiselles. Imaginons la situation. Françoise et Alain, vous êtes tous les deux ensemble, vous êtes un couple. Non, Françoise et Alain, Françoise et Gérard, vous êtes un couple tous les deux. Qu'est-ce que c'est encore? Écoutez-moi bien. Bon, vas-y. On va donc composer un numéro de cul et vous allez peut-être rentrer en conversation avec des gens. Vous imaginez que vous êtes un couple? Et que vous avez envie de faire des trucs de cul. Je sais que Françoise va se prêter au jeu très facilement. Ouais, elle aime et bien. Je suis sûr que Gérard, dès qu'on va parler de sodomie, de fellation, tu vas commencer à avoir le braquemar. Peut-être non. Stéphane veut le faire. Ouais, prends ouais. Plutôt Stéphane. Alors vas-y. Alors avec Françoise, hein. Françoise et Stéphane. On y va? Attends. Mon petit coquin, je vois que tu as envie d'entendre mes confessions les plus intimes.